Bienvenue, viewers, dans Bloodborne. Vous allez suivre les aventures de Bit, le chasseur ultime. Apprêtez-vous à voir des chutes dans des escaliers, et des morts stupides et du skill en carton. Apprêtez-vous tout simplement à voir un globi épique. Apprêtez-vous surtout à voir Maxime qui cherche ses écouteurs. Où est-ce qu'ils sont, ces cons? Coucou Hitbox, hein, je cherche mes écouteurs. J'ai perdu mes écouteurs. Merde alors, c'est pas possible ça. Je les utilise que pour ça. Attendez, je cherche mes écouteurs, deux secondes. Désolé. C'est pas possible. C'est juste what the fuck, je les ai utilisés tout à l'heure. J'étais avec Jex tout à l'heure et je les ai utilisés. Et je les vois pas. Je deviens fou. D'ailleurs, je vais réveiller Sophie avec Elsa, c'est sûr. Quelle bonne idée. Quelqu'un peut... Tu pensais vraiment que j'allais jouer à un jeu qui s'appelle Souffrance et Miette? C'est un peu triste, du coup. Mais c'est pas possible, ça. J'ai des écouteurs là, mais c'est pas les bons. Non, en plus... Je pense que je deviens fou, en fait. C'est vraiment pas possible. Bon, bah c'est tout, je vais utiliser les anciens écouteurs, je vais me défoncer les oreilles. Et je vais rien entendre. C'est dommage. Comment allez-vous, Hitbox? Vous avez perdu vos écouteurs, vous aussi? Une excuse parfaite. En plus, genre, ça va m'empêcher de jouer au jeu, quoi. Est-ce que je les ai mis dans les poches? Non? C'est vraiment trop bizarre. Ça n'a rien à voir. La tristesse d'un homme qui cherche. Ah ouais, je suis perdu. C'est genre. Enfin, dans ma poche, c'est pas possible. Non, puis ma poche, je l'ai pas fouillée. Non, c'est trop bizarre. Bah, j'ai l'air perdu parce que je les ai utilisés il y a genre très peu de temps.
Donc c'est très perturbant de ne pas les voir. Quand allez-vous? Oui, j'ai bien travaillé, ça va. J'ai fini le fond de l'affaire, j'ai préparé quelques petits trucs. Notamment le truc que je suis en train de regarder là et que vous pouvez pas voir. Et que vous verrez peut-être pas avant genre 6 mois. Non, ça, mais je sais, là tout de suite. Avec Benra, ouais, t'es un bon voleur parce que t'as réussi à le voler entre le dernier live et ce live-là, donc c'est quand même costaud. Aussi bien, j'ai utilisé ces écouteurs-là pendant le précédent live et pas les bons. Ça doit être ça, parce que c'est pas possible que. Enfin, voilà. Bizarre. En plus, c'est des écouteurs tout pourraves. Voilà. Salut, Yadon. Des cheveux pareils, c'est-à-dire. Ah, en poil. Non, ça sera Jex le mode vocal. Aujourd'hui, c'est Jex. Demain, ce sera Castor s'il est disponible. J'essaie d'alterner en vrai. C'est un peu compliqué. Alors, Brawak, la dernière fois que j'ai bossé dessus, c'était en octobre, début octobre. Non, début novembre, novembre. Pas octobre. Là, tout de suite, c'est pas la priorité, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'autres trucs à faire qui sont vraiment une priorité. Ne vous inquiétez pas, il est tourné, il arrive. C'est juste que j'ai envie de le soigner, quoi. J'espère que vous pourrez comprendre ça. Eh bien, écoute, Dragazar, malheureusement, je pense que on n'a pas toujours la coupe qu'on veut. Et moi, tu sais, moi non plus, je n'ai pas la coupe que je veux tous les jours. J'ai mis vachement longtemps à avoir la coupe que je voulais, soit dit en passant. Quand je dis vachement longtemps, je parle de plusieurs années. Et c'est le fond de l'affaire qui m'a aidé à l'avoir, étonnamment. Parce que j'ai tenté un truc, je me suis dit, ah, faut pas que ça soit ma coiffure normale, je vais plus mettre mes cheveux en arrière, blablabla. Et du coup, en fait, ils sont retombés d'une manière plutôt élégante. Et le fait que je perde des cheveux était plutôt positif par rapport à ça. Donc voilà. Enfin, j'ai les cheveux qui reculent, quoi. J'ai un grand front. Alors, dans l'épisode, je précise, on est en juin. Donc, de toute façon, on est en été. Donc, si je le montre en été, ça va. Ah non, merde, j'ai compris l'inverse de ton message, Evinuato. Effectivement, oui, tout à fait. Je voulais tellement voir ce live que j'ai regardé une série depuis le précédent live. T'as une série, t'as regardé quoi? Je cherche TeamSpeak, hein, je précise. Je suis un peu perdu. J'ai joué comme une merde parce que j'ai été perturbé par les écouteurs. Bravo, merci les écouteurs. Hop, et c'est parti. Je t'attends, Jax. Viens. Voilà. Putain, je sais pas où j'ai foutu ces écouteurs de merde. Et c'est bien avec Mena. Salut à toi, Jax. Salut, salut. Ouais, je veux vraiment qu'on recommence. Et salut au live à nous. Hop. Du coup, état du pantalon en place. Eh oui. J'ai absolument pas lu. Non, c'est bon, j'ai vu. Quel est le jeu de ce soir? Eh bien, c'est Bloodborne. C'est marqué à chaque fois, hein. Vous voyez pas dans la barre. Là, regardez. Non. Voilà. Moi, sur le live, je vois marqué Uncharted 1. Vraiment? Ouais, Ah je crois que je ouais. suis pas le seul. Putain. Mais pourtant je l'avais réglé. Ben, je parle pas du bandeau qui défile. Ah ouais. Ouais, mais de toute façon, enfin même ça je l'avais réglé. Putain. Fais chier. Epic. Bloodborne. Je sais pas si. Combienième? Ça doit être le 20e. Hop. Est-ce que c'est le 20e? C'est le 20e. On est au 20e Globi Epic sur Bloodborne quand même. C'est beau. Bloodborne.
Hop, j'ai failli mettre des pubs dans le jeu. Oups. Hop, voilà, c'est bon. J'excelle dans ces toilettes. Salut Kyubi qui dit Yerterik. Ouais, quand mon casque il marchera plus, j'en achèterai un avec un meilleur micro. Bon bah bonne soirée à tous, je passais juste faire coucou, et bien coucou à toi. Mais Dragazar, il y avait un live tout à l'heure à 20h. Ce qui n'est pas tard du tout. Il y en aura peut-être un demain aux mêmes heures. Ça va très bien, Kyu. Et toi, comment vas-tu? Est-ce que tu as vu mon message sur Squeep? Je n'ai pas réouvert Skype, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'aurais pu, mais j'ai pas pensé, quoi. Dragazar, il faut suivre le live, voyons. Il faut s'abonner quelque part. Le groupe Gobi Multi ou des trucs comme ça. Tu as répondu. J'ai regardé la réponse maintenant. C'est un truc qui peut être intéressant. Suspense. Whoop. J'aime bien les bruits de le truc. Hop. Ah, non, donc c'est vraiment possible. On ne doit pas oublier de mettre le compteur de mort. Ah putain, merci, 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 merci. Ah putain, bonne idée. Hop, hop. Ah, c'est cool, Kyu. Très bonne nouvelle et très bonne nouvelle pour les viewers. Hop. Mais on en reparlera. Les conditions d'utilisation. Heureusement que j'ai que celle-là. Bah oui. Hop. Ça fait beaucoup de live que le pantalon est en place. Attends, tu mens. Hier, on était en putain de... Comment ça s'appelle? Les deux lives d'hier, on était en peignoir. En même temps, bon, il va pas se mettre en boxeur quand on est en hiver. C'est vrai qu'il fait froid sa mère, en fait. Hein. Soit dit en passant. Alors, le fait d'ouvrir Skype a baissé mon micro, je crois. Même pas. Et ça dure un mois et j'en ai 10 pour toi là. Ça marche avec des coupons, ça dure un mois et j'en ai 10 pour toi. Putain, c'est trop cool. Et bah, Kiou, merci beaucoup. Parce que je pensais faire ça pendant certains lives, du coup, c'est cool. En gros, c'est vous faire gagner des subscribes aux gens. Et ça, c'est classe. Du coup, vous pourrez gagner un pénis d'1m50 ou un vagin d'1m50 selon ce que vous voulez. Non mais en vrai j'ai pas froid, j'ai juste pas envie d'être à poil. Mais en vrai dans mon appart il fait froid parce qu'on met pas de chauffage pour le moment. Enfin très peu de chauffage. Alors, tac tac. Tac, donc on va jouer à Uncharted 4. Oups. Aïe. C'est parti pour une petite burn. Ils peuvent offrir des jeux sur PS4 et Games Planet ou... Non, je ne crois pas. J'aimerais bien, sinon. Ouais, ça aurait été cool. Look Skype. Putain, je peux pas. Attends, 2 secondes. Ah, ce setup de l'enfer. Je vais revoir sur Skype. Putain, je suis aveugle. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Pour la peine, je vais offrir un premier. Tiens, Jax, je te mets le truc à offrir dans le chat. Ok. Ouais, j'allais en faire un plus tard. Hop. Tiens, voilà. Hop. C'est compliqué. Eh bien, merci beaucoup, Kyu. Ok, d'accord. Hop. Et je les noterai tous, du coup, pour les faire gagner dans le prochain live.
Ça bon, je vais l'essayer pour être sûr que ça marche. Hein. Kyu, il échoue. Et c'est pour ça que ça rime. En même temps, Kyubi, il est... Ouais, ça rimerait pas après. Attends, il faut que j'abaisse ça. Tac, voilà. C'est la première fois que... La première fois que ça va si loin que ça, le... la musique. D'ailleurs, plus tard dans la soirée, il y aura deux ou sexes à gagner. Nous en mouvons, ce sera un jour pour le prochain. C'est le premier ou le deuxième ou le troisième ou... C'est Human Revolution. Ah ouais, carrément. Putain. La Director's Cut. Eh ben. Ouf, ça fait du bien de tuer un homme poisson. Ah non, c'est pas par là qu'il faut que je passe. Monsieur Hibou, c'est parce que Kyubi, eh ben, il est admin de... comment ça s'appelle ? Du site Hitbox. Du coup, c'est bien pratique. Si tu vois, quand tu vas sur Twitch, t'as peut-être un jour eu la chance d'être sur un live où il y avait un admin. Ce qui n'arrive quasiment jamais sur les lives français, mais ça peut arriver. Et bien sur Hitbox, tu verras Kyu qui vient régulièrement sur les différents lives de Hitbox francophone. Donc, c'est trop cool. Hop, voilà. Crève ta race. Hop. Tu es déjà trois fois dégoûté que Human Revolution. Putain, mais il vient de mettre. Tu le manges le jeu ou. Allez, attaque. Oh, mais là, c'est la Director's Cut. Ouais. Avec. C'est pas la Director's Cut qui, quand elle est sortie, avait des problèmes de texture. Je sais pas, je suis pas au courant. Je crois que c'est en gros, quand le jeu est sorti, ils ont mis les textures console en fait. Oh mon dieu. Et du coup, ça a vite été résolu, hein, mais du coup, il y avait des textures moins belles que sur le jeu original. Ce qui n'a donc aucun sens. QB s'en va, à plus. À plus. Par le pouvoir de l'épée magique. Merde, c'est trop long. Alors si je me trompe pas, je crois que la Director's Cut de Deus Ex, elle contient aussi le DLC. Ouais, tout à fait. J'ai failli crever. C'était un test. Éclair du 44, tu veux t'acheter quoi? Bloodborne? Si tu veux t'acheter Bloodborne, la durée de vie, c'est... entre 20 et 30 heures, je dirais. Non, je suis pas en G+. Je suis dans le DLC. Dans la version Director's Cut, ils ont revu tous les boss pour qu'on puisse ne pas les tuer, si je me trompe pas. Ouais, ce qui est très cool. Parce que bon, à la base, il y avait le succès... On pouvait avoir le succès fantôme, mais on était quand même obligé de tuer les boss, alors que... On essaie de jouer genre totalement invisible, genre on les tue pas et tout. Et puis après t'es obligé de sortir le lance-roquette pour tuer le boss. Ouais, d'ailleurs c'était chaud des fois selon certains boss, selon comment tu t'avais spécialisé ton perso. Bah moi j'avais à chaque fois, en plus tu le sais à peu près quand il y a les boss, mais du coup je faisais sauvegarde très régulière, bien sûr, et moi j'avais toujours un putain de lance-roquette quoi. Au cas où. Toujours avoir un lance-roquette flamme. Aïe, j'ai foiré mon saut. Oh, putain, c'est trop drôle. Le perso a gardé le truc dans la tête. Trop bien. Mais putain, j'ai appuyé deux fois. Mais putain, j'avais appuyé deux fois, enculé. J'aime pas quand j'ai ça. Il y a le... Merde, il y a le pape 51 et puis...
Il fait rire son pseudo. Qui demande comment il est le DLC. Le DLC est cool. Et le pape 51 tout à l'heure, j'ai explosé ton score de headshot sur une chartier. Je tiens à ce que tu le saches. Tu t'es fait humilier en l'air. Le mec il rappelle même sur les lives qui n'auraient aucun rapport avec Uncharted. Putain, je suis mort vraiment, mais c'est nul. Putain, faut vraiment que je me fasse rire. Enfin, ça me faisait beaucoup rire l'idée du mec qui se la pète de son score. Ça pour. Je crois que c'était 17 ou un truc comme ça. Oui, en plus, c'est pas. C'est vraiment de la merde. Et c'était ça qui était drôle. Alors, le DLC est très délicat, mais il est cool. J'ai l'impression que le son du jeu monte. Je vais le baisser un peu. Cette histoire de score, eh bien, regardez la rediff du live Uncharted, vous comprendrez. En gros, il y a des high scores tenus par le jeu sur votre partie et du coup il vous affiche quand vous avez gagné, enfin battu quelqu'un, et du coup j'ai battu beaucoup de gens qui étaient sur le live, c'était assez marrant, mais c'est nul, enfin c'est pas des chiffres très intéressants, c'est genre nul, tu veux pas exploser un truc comme ça. Viens, le requin machin là. Putain, mais d'accord, sa portée est super grande. Ouais, j'ai récupéré 3000 âmes. Chose que je peux me faire en 2 secondes sur. Sur les autres. Vas-y, tu vas bientôt repasser au passage, tu te fais tuer là. Ouais, je sais. Ça va être une. J'ai pas envie. Et c'est peut-être pour ça en fait. Je pense que. Ouais, je pense que je suis dans ce qu'on appelle une boucle infernale qui arrive très souvent dans Dark Souls notamment. C'est ce moment où ça te saoule d'être mort et donc tu remets en boucle. Dark Souls, ça m'est arrivé notamment dans la forteresse de Sin et contre Sif. Et là, je pense que c'est le cas. D'accord, ok. Ah oui, normalement tu fais une petite pause, ça passe. Ouais. C'est ce qu'il disait aussi. Ce que disait le médecin. Fais une petite pause. Donc là j'ai juste peur qu'il y ait le truc géant. Oui, je jouais pas au jeu à boire avec Maxime, hein. Enfin, pendant qu'il joue à. Ouais, ça va un peu de bord. 10 000 morts. What? Il est où en fait? Il est où? C'est à chaque fois il me tue mais genre de 3 km de loin quoi. Et il me touche même pas. Je trouve ça dégueulasse. Avec sa bouche grande ouverte et tout. Ouais, c'est pas que Dark Souls que ça fait hein, le pape, c'est dans tous les jeux. Le problème c'est que plus tu meurs, plus tu t'énerves, et plus tu t'énerves, moins tu es bon. Ouais. Ouais, et puis là, putain. Je suis pas dedans. Putain. Ouais, ça fait 5 minutes de jeu. Et... C'est qui dit c'est... Il est sympa, là, lui. Hein. Non, il pas time out, hein, les mecs. Fallait ban direct. Ouais, fallait ban direct. On peut encore le faire avec la commande écrite. De jeu et Evi Minato propose déjà son aide. Merde, je vais mourir. Là, Evi Minato, ouais, pour tout à l'heure. Mais là, non, je vais passer, c'est juste, je suis pas dedans du tout. C'est des yeux, c'est quoi les trucs avec les yeux?
Des visages. Bizarre. D'ailleurs, c'est lui qui a mon âme. Non, 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 non. Putain, il est déjà... Ah non, putain. J'ai eu trop peur d'un truc qui était pas le requin, et du coup, ça aurait pu me tuer. En fait, il est sur la droite, en traître. Oui, et il a une portée de salope, encore une fois. Ah putain, il me viole, quoi. Mais regarde-moi cette portée, quoi, c'est juste absurde. Ah, mais c'est normal, il est plus grand que les autres, et il a... Ah. Un genre de grappin géant. Une putain de... Putain d'encre. Ah putain, mais sérieusement, j'en ai marre de cet ennemi. Je crois que... Il a l'air solide. Oui. Il m'a tué, putain. Bon allez, vas-y, à toi, viens, ça me saoule là. Je suis pas dedans et ça va juste m'énerver. Ça sert à rien de se forcer. Alors, c'est le live a commencé à 2h, donc 2h10, on commence le jeu. 7 minutes. Ah, quelle horreur. Je t'attends ici. Et qu'est-ce que tu fais, jeu? T'imagines, Maxime, le jour où il y a un mec qui sort en jeu d'horreur aquatique? Ouais, genre Depth. Ah ouais, non, ça existe. Bah, Depth, il est un peu comme ça, hein. Il fait un peu... Enfin, moi, il me fait peur. C'est pas un jeu d'horreur, mais ça me fait peur. C'est un jeu multi avec des requins, donc... Ah oui, oui, je vois, oui. Et il fait vraiment peur. Ah, mais imagine, encore pire, quoi. Un jeu d'horreur basé sur... Ah, sur ça. Les profondeurs marins, avec ah, des genre morceaux. Soma. Oh, enfin... Oh, un jeu qui est... Mais je suis déjà que les jeux qui merde. Font peur, ça me donne pas envie, alors je suis comme ça... Merde, c'est trop bien parce que sans le vouloir, t'as décrit Soma et c'est pas Soma du tout et c'est trop bien. Merde. Bon. Ah là là, quel très mauvais jeu. Je sais pas, Soma, il y a Flambé qui me demande si ça se passe dans un sous-marin. Non. Ah, c'est une genre de base sous-marine, non? Ouais. C'est quoi, c'est peur bleue? Non. T'as eu parce que bite. BioShock, oui, carrément. Dans BioShock Infinite, vers la fin, il y a un passage qui fait trop peur. BioShock Infinite, c'est bien c'est celui qui se passe en l'air. Ouais. Moi, je me souviens pas d'un passage à la fin qui... Quand tu vas dans un passage super chelou, en fait, il y a un monstre qui se balade et que tu essayes d'éviter sans arrêt. À un moment, en fait, t'actives un truc, tu te retournes et il est juste derrière toi, en fait. Et ça fait un peu peur. Ah ouais, je crois que ça m'a pas marqué. En même temps, j'ai peur, il fait peur. Ah. Ouais, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Fais chier. Apparemment, c'est juste une fois le temps qu'il sort de distraire les gens, le temps que. Ouais. Il se ramène. Bonne chance. Le ragondin, quoi. En plus, c'est ça, c'est parce que tu manges. Tu manges en même temps, c'est pour ça que tu perds. Ça. C'est un Wolverine, pas un Ragon. Merde.
faut leur dire ce que c'est le truc à gagner là de Hitbox. Oui, oui, c'est subscribe. Ouais, voilà, donc. Ah, ouais, ok, moi j'ai pas entendu, tu vois. Mais je l'avais lu parce qu'il avait marqué QBI, mais c'est comme j'ai un par moi. Je vais faire une petite question, les gens, pour gagner un mois de subscribe, donc c'est ça, j'ai mis que c'est un mois. Je pense qu'honnêtement, non, Castor. Je pense que tu mets la majorité des gens sur ce jeu. Je pense que la majorité des gens, ils n'arrivent pas à battre le premier boss. Et je parle pas du boss du DLC. Je parle de la bête cléricale. La bête cléricale qui, je le rappelle, a moins de vie. A moins de vie, moins de rapidité et moins de portée que le gros monstre que je dois battre là. Qui est juste, je le rappelle encore une fois, un ennemi. Evil, du coup je t'attends ici. Tu peux pas gagner, Castor, t'es un modo. C'est triste. Ce n'est pas les mêmes jeux. D'ailleurs, pendant les lives de jeux de rôle, il y aura des concours, mais normalement les modos pourront gagner. Je précise quand même. Je vais me faire insulter encore, je sens. Si tu gagnes au premier des concours, je serais... Je pense par terre en train de pleurer tellement ça sera drôle. Live de jeu de rôle, ouais, tout à fait. Je crois que l'autre buzz après il va venir me jusqu'à chez moi pour me tuer après. Mais par contre ça sera des trucs au hasard, Castor, donc la vitesse de frappe n'y fera rien. Alors, Jagistar, je fais l'appel de Cthulhu. Je te conseille l'émission Les Chroniques du Necronomicon, disponible sur YouTube. Et donc, on fait ça en live. Et ça sera cool. Non, Flophobie, il peut pas gagner parce que c'est un modo. C'est le principe de ces questions-là. Encore un, c'est pas mieux aventure. Mais j'ai déjà fait sonner. Enfin, je refais sonner du coup, mais il veut pas. Il cherche sa poche, genre. Qu'est-ce que. Oh, non. Il fait comme Nathan Drake dans Uncharted. Et merde. Je maintiens que je te fais gagner. Putain, ça y est, le pape 51 a accès au smiley et au petit bidule. Alors, live jeu de rôle sera composé de combien de joueurs? Je ne peux pas dire, j'en sais rien, le prochain, je sais pas. Mais en moyenne, on va essayer de fonctionner sur 4 pour pas que ça soit trop long et trop chiant à organiser. Et donc voilà. Ça va durer aussi longtemps que le live d'Halloween. Merci le pape 51 d'être devenu subscriber. Non, ça sera moins long, justement. Ça sera des scénarios plus courts. Putain, ça doit être horrible. Ton pénis, il pousse, tu sais, comme dans les films de loup-garou ou trucs comme ça. Oh. J'ai jamais pensé à ça, hein.
pour avoir volé mon mois de subscribe. N'importe quoi. Oui, DS3 sort en fin 2013. Merde, ça m'a vraiment fait. Il sort début 2016. C'est vrai que l'invocation dure putain de longtemps. Je vais annuler peut-être et refaire. Attends, faut que je fasse un silence. Ah bah c'est pas rapide hein. Heureusement que ça a été amélioré là quoi. Ah t'imagines avant comment c'était. Voilà, c'est bon. Tu verras, la première saison est un petit peu tranquille pour les investigateurs, mais moins déjà pour le live d'Halloween, et la saison 2 encore moins. Ça va au petit village hein, ici quand même. Ah, il y a une tour, je suppose que je vais dans la putain de tour, c'est un phare en plus. Fait chier. Tu sais, moi sinon j'ai une idée pour faire un pour Bloodborne, sinon tu passes ton compte à Ivy Minato et il stream. C'est pas bête. Oh, il y a le chien qui me regarde avec son air bizarre. Regardez-moi cette tête d'enculé. Il est horrible. Putain, Evil Miato, ça marche pas en fait, c'est ça? Le jeu veut pas qu'il vienne t'aider. Ouais, ça va, la boîte de Star Wars, c'est sympa. Ils sont un peu radins en figurine, je trouve, mais bon, ça va. Ah bah t'en as trois, ouais. C'est là qu'en fait, Eric, il t'a volé des figurines. Tu reçois la boîte et tout. J'ai juste son adresse, de toute façon, au cas où. Est-ce que tu penses pas qu'il faut que je retourne près du feu, Evil Minato? Peut-être encore un problème de faction avec Illuminato. Ah, c'est pas le problème de rune là, ou je sais pas quoi, qu'un mec il avait dit. Ouais, bah attends, on va retourner au feu. Retournons au feu, Illuminato. Non, le problème de rune, ça l'aurait invoqué de toute manière. Enfin, en tout cas, la dernière fois, ça l'avait invoqué. Donc, je reset. T'as bien mis le mot de passe, au fait. Sait-on jamais. Hop. Très bien. Et j'attends que tu fasses silence aussi, ou pas? Je sais pas. Hop, je refais. Si Evil Minato n'avait pas le DLC, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Oh, on sera encore là trop boss quoi. A plus Yadan. J'ai relancé du coup. Le premier boss du coup. En plus c'est horrible que ce soit le premier boss le plus dur vraiment. C'est genre
hyper démotivant, quoi. Alors, tiens, t'es 20 euros. Non, je l'ai, t'es 20 euros. Non, encore, c'était pas le premier boss, c'est le plus dur, non? Si, si. Ouais, et la femme, l'autre fois, là, avec ses diverses formes. Elle est chaude, mais je pense vraiment qu'elle est moins dure. C'est lequel, le premier, déjà? Le premier, c'est l'espèce de monstre dégueulasse. Oh mon dieu, qu'est-ce que t'as sur la tête? Ah putain. C'est bon, on a entendu une sonneuse de cloche genre juste à côté. Genre juste à côté. Un nouveau loup. Ah, vous avez la même épée. Hein. C'est vrai? Et c'est vrai que vous avez la même sword. Hein. Putain, je l'entends. Elle est là, putain. Salope. What? Putain. J'ai tué une salope. Tout va bien. Putain, je me bats avec un brocoli zombie, quoi. C'est trop bizarre, peut-être que ça tu fais avec le son casque. Ça fait dégueulasse. C'est quoi en fait? On dirait, je sais pas, on dirait qu'il soit une fleur, soit des pustules. Ouais, c'est une sorte de brocoli dégueulasse, je sais pas. J'ai peur, Eliminato, au secours. Eliminato, vous êtes mon seul espoir. Il s'est fait one shot? Non. Attends. Si, il s'est fait one shot, putain! C'est une blague, Eviminato. Putain de blague. Ouais, même Eviminato n'arrive pas à franchir ce passage. Ah. Moi, je crois qu'on va pouvoir désinstaller le jeu et le revendre. Me fais pas rire, pas pendant un combat avec un connard comme ça. Je vois rien, putain. Le mec il m'a fait perdre directement mon... Non, 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 faut pas que je meure, voilà. Non, 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 regardez sa vie, putain, non. Non, putain de merde. Ah non. Rapion. Le plus drôle, c'est qu'il a tué strictement personne. Voilà. C'était pathétique, quoi. Ils étaient à deux, quoi, ils ont même pas réussi. Ouais. Oh merde. Pourtant, tu l'as dit. T'as dû réussir à la tuer, cette bestiole, dans le village. Non, pas celui-là. Est plus dur. Dans le village, il y en a un, mais il est beaucoup plus facile. Sinon, tu m'as invoqué pour joueur. Ah putain, c'est trop bien. Peut-être que si tu fais venir tous tes viewers là, 112 personnes, ça peut le faire. Hein. Ouais, je pense que c'est faisable. Allez, on vient tous. Mettez tous vos mains en l'air et rabattez-les sur votre front en faisant. Voilà, comme il dit, Eviminato, on peut mourir très vite hein, dans le jeu. Enfin, dans les Dark Souls en général, mais. Vous l'avez fait, quoi. Honte de la chaîne, c'est le mec, il est mort une fois. Salut, Runeird.
C'est le bon smiley avec Caramelia et Fafou. Non, c'était vraiment Evin Mieto qui jouait. C'était pas l'IA. Mais on peut vraiment, on peut inviter plusieurs personnes ou on peut... Je pense, je sais pas. Je crois que non, je pense que c'est deux par deux. Non, dommage. Bon, je vais aller tuer cette pute. Il est où? Il est à toute. Je crois que j'ai perdu Evin Mieto. Non, il est juste là. Ah, qu'est-ce que... What? Il a des mains tentacules. Putain, il est devenu une tentacule humaine. Trop bien. Ah, ça a l'air de faire des dégâts. Pourquoi tu peux pas faire ça, toi? Est-ce que j'ai envie, ça me fait la question. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va encore crever. C'est beaucoup trop vrai. Voilà, ça y est, ça part un dive sur le chat. C'était prévisible. Ouais. Ah, ça, c'est clair qu'il est fait pour. Hein. Ah, non, mec, il met un coup d'épée de faire croire c'est lui qui a tué le chien. Attends, les viewers ils vont me croire. Hein. Ouais, c'est normal qu'il ait une tête de brocoli sur son casque. Je pense. C'est passé chaud. Non, je crois qu'il s'approche pas lui. Ouais. J'ose pas approcher, je sais ce qui va se passer, j'ai peur. Regardez, regardez, regardez quoi. Il va se faire tuer, il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Si je m'approche, il m'arrive la même chose. Mais Evin Mieto, je te jure, cette zone est putain de maudit. Allez hop, là, ouais, il s'est encore fait one shot. Et voilà, un live de 2 heures sur un seul tâche. Attends, un live de 2 heures, on a déjà passé la moitié du précédent live ici. C'est déjà 2h50, hein. Ouais. Non, non, non. On se calme, je vois rien. Je déteste cette caméra de merde. Vous voyez quand même, c'est... la caméra est vraiment... Il y a vraiment des gros soucis de caméra. Dès que je me bats contre un ennemi un peu grand, ce qui est genre 90% de putain d'ennemis que j'ai, c'est impossible quoi. Je vois pas où je me fais, ce que je fais. Non mais Evin Mieto, je dis pas qu'on peut pas passer tout seul. Je dis juste que... Faut être dedans quoi. Je crois que t'aurais dû lancer ton raider. Mais j'ai déjà fini. Je peux pas le faire. Ah oui, c'est... Ouais, putain, je pensais. Bon. Mais c'est pour ça que du coup t'as commencé Uncharted. Ouais. Allez, Evin Mieto. Je crois que t'aurais dû faire le New Game Plus de Tomb Raider. Je m'en fous. Je t'attends, Evin Mieto. Je veux le tuer, je veux qu'il meure. Mais le problème c'est... Enfin moi ce que j'aime pas là c'est que... quand on voit que dalle quand il y a ces combats là et que la webcam, enfin que la caméra se met genre comme ça, voilà. Là elle fait ça là. Bah, c'est nul qu'on voit rien, c'est chiant. Evin Mieto, une idée. J'attends ton idée, une idée de merde. Attends, je vais tuer la sonneuse de cloche, salope.
je peux rien faire au niveau vue. Non, bah c'est bien, les viewers sont fidèles, hein, malgré qu'on voit la scène en boucle, ils sont toujours là. Ouais, ils sont là, quand je souffle, ils sont là. Donc, je t'attends ici, et bientôt, voilà. Et c'est quoi en fait ce personnage-là que tu tues, enfin cette femme? C'est une meuf qui fait venir en fait éventuellement deux autres joueurs, mais contre nous. Ah d'accord, merde. Je vais tenter de passer derrière lui et d'éviter le gros monstre. Comme ça, je pourrais l'avoir par derrière. D'accord. Regarde, il y en a un là, hein, sinon. On va voir cette technique. Après, c'est ralentissement. Impressionnant. Non, mais je m'étouffe pas le coup. On va se faire tuer par des mobs à la con. Parce que là, t'es pas mort par le truc de base. T'es mort contre un ennemi, les péons relous. En tout cas, on s'en souviendra de cette zone. C'est notre zone préférée maintenant. Il doit au moins y avoir 20% de tes morts là-dedans. Oui, franchement, oui. Bah, c'est simple, 110. Je crois que quand je suis arrivé ici, j'étais à 95. Donc, ouais, voilà. C'est pas mal. C'est pas négligeable, non. Oh non, Jankistar. Lui, il faut le tuer. Je vais essayer. Les autres zones, non, je répondais à Jankistar. Je disais les autres zones sont pas aussi dures que d'habitude. Oh non, non, c'est vachement plus simple. Bourne. Non, c'est. Rends-toi compte que je suis mort une centaine. Enfin, 70 fois en entier avec le boss de fin. C'est que dalle. Allez. Putain, je crois que c'est bon. Non, il va tout se prendre dans la gueule. Non, c'est bon. Il arrive, sûrement. Ok, faut se préparer. Il a fait une attaque qu'il fait jamais. C'est bizarre. Merde, je me suis... Alors, un des trucs de base hein, dans Bloodborne, toujours foncer vers l'ennemi. Putain, il vient de tuer Vilminato. Il vient de le tuer, putain. C'est quoi ce putain de monstre? Mais en plus, à chaque fois que Vilminato meurt, ça me fait beaucoup trop rire, et du coup j'arrive plus à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis petit. J'essaie de pas te déconcentrer, mais... Ah non, je suis encore mort. Le live de Bloodborne, il est passionnant. Tu mettras dans la description où est-ce que les viewers, il faut qu'ils aillent dans la vidéo pour pouvoir passer la zone. Le mec est mort de rire parce qu'il meurt. Non, mais vous vous rendez pas compte à quel point il est fort en fait. Enfin, je veux dire, mon perso est vraiment résistant. Et mon perso est vraiment fort niveau dégâts. Enfin, je veux dire, je two-shot la plupart des ennemis. S'il résiste autant, c'est qu'il est vraiment dur. Et sincèrement, pour moi, il est comparable à un boss. Putain, je suis pété. Je crois qu'il est bientôt, il est parti. Tu sais, Maxime, tu veux que j'aille sur le TS? Ouais, vas-y, viens. De toute façon, on va se prendre. Oui, vas-y. Et Jack, si tu vois Evin Miato, fais-le monter du coup. Ok, j'ai servi ça. Merde, c'est l'épisode 20 de Bloodborne, c'est le début de la fin, quoi. J'avais même pas sonné la putain de cloche, quoi, comme un gros con.
Ah oh, la vache. Tellement drôle. Mais c'est triste. Moi je trouve ça plus drôle que triste. Le fait que ça n'arrive pas une, ni deux, ni trois, mais quatre fois, c'est trop bien quoi. Voilà, c'est bon, il est là. Ok. Salut Miyato. Salut Maxime, salut Jax. Salut. Le mec qui vient de mourir sans arrêt et qui est un gros nerf, vous salue. Tellement drôle. C'était trop bien. Quand t'es arrivé par derrière, je sais même pas si tu l'as touché. Mais quand tu t'es... Je l'ai touché, mais en fait, il a plongé sur moi et il m'a buté. Mais en vrai, quand il plonge, t'es mort. Si tu fais pas... Enfin, si t'as pas fait une esquive, quoi. Mais C'est ça. Et le truc qu'on ne voit pas forcément, moi, mais j'ai une barre de vie qui est à peu près la moitié de la tienne. C'est pour ça qu'en plus, moi, je crève beaucoup plus vite. Mais même moi, il me one-shot. Hein. Pourquoi vous essayez pas de prendre les pieds de feu, d'éclair ou de feu, là, je sais pas quoi. Je crois pas que ça changera grand-chose. Franchement, c'est pas tant lui faire des dégâts, c'est le fait qu'il nous en fasse pas, tu vois. Parce que, merde, s'il y avait que lui, ça irait. Mais le problème, c'est qu'il y a l'autre qui nous spamme de trucs qui nous défoncent la gueule. Enfin, sincèrement, les espèces de petites têtes mauves, là, tu t'en prends 4, t'es très mal barré, quoi. Et généralement, je m'en prends beaucoup plus que 4. Enfin, je m'en prends. Pour l'instant, tout va bien. On se bat contre les profonds. Faut quand même faire gaffe parce qu'ils peuvent quand même nous buter. Oui, parce que ça, c'est pareil. Les gens ne comprennent pas. Ce ne sont pas des petits mobs à la con. C'est vraiment des mobs difficiles. Là, ça va parce qu'on est des personnages compétents et qu'on n'est pas si mauvais que ça. Même si on dirait. Et là, on meurt et on passera pour des brels. Ça serait trop drôle. Mais putain, Assassin's Creed quoi. Oh non, y a l'autre avec ses râteaux. C'est vraiment trop bien. Cette zone est juste. Je crois que c'est un peu trop tôt pour dire qu'il est en paix. Merde. Ouais, eux c'est bon, on peut se les faire. Donc, jusque là, tout va bien. Bon, il faut se... C'est à ce moment-là qu'on va faire un beau fail. Regardez bien, cher viewer. Oh, allez, vas-y, on essaie de se faire celui-là au moins déjà. Allez, moi j'ai assez, voilà. Oh, c'est déjà bien. Aïe. Je te soutiens moralement. Ouais, non, mais de toute façon... À deux, c'est compliqué. Vas-y, achève-le. Bon courage, parce que là, il y a des trucs qui arrivent. Ah là là. Ouais, ça va, il s'en est pris un, deux, trois. Non, putain, regardez sa vie, putain. Oh putain. J'ai vu ma putain de vie défiler devant mes yeux. Il s'en est pris trois. Trois suffit à quasiment le tuer. Donc quatre, t'es mort. Moi, je crois que c'est cinq et je suis mort. Et là c'est le problème. C'est-à-dire qu'en haut, on a cette pétasse qui va... Oh, putain. Les mecs, ils fuient, tu sais. Je crois que c'est bon. Ouais. On ne fuit pas, on fait une retraite stratégique. Comment on peut faire? Parce que elle... Je peux arriver à le buter en essayant d'éviter ces trucs et d'éviter l'homme requin. Le problème, c'est l'homme requin après. Non, moi, je pense qu'il faut attirer l'homme requin, tuer l'homme requin, et ensuite, on va tuer cette pute. Ok, attends, je vais essayer de l'attirer. Bah attends, moi je peux l'attirer, je peux me prendre des dégâts, c'est pas très grave. Je m'en sens ouais, pas. Vas-y, ça vaut mieux parce que moi je crève en 2-2 donc. Attends, regarde, hop, je vais l'attirer. Y'a personne qui va sortir le nom du personnage. Attends, hop, je sais pas si je l'attirerai, je crois pas que je l'ai. Non, je vais essayer. Ah attends, ouais, fais ça, barre-toi. Non, barre-toi. Oh. Ah, t'as réussi? Ouais, bien, ouais, ouf. J'ai eu trop peur pour toi. Putain, fais gaffe, il est vraiment juste derrière. Non, c'est bon. Je vais crever. Non, c'est bon. Oh, il arrive, par contre, prépare-toi à foncer sur lui parce que... Non, putain, il repart, cet enculé. Non, putain. Non, mais reviens, gamin. C'était une blague. Allez, reviens. Putain, il revient pas. Si, c'est bon. Ouais. Ah, bon. Non. Putain. C'est bon, il arrive. Comment t'as l'air trop de fuite. Et là, il va faire une attaque. Ça va, il est tranquille.
Je le fais, faut le faire reculer sinon on va se prendre les trucs pendant le combat. Autour de l'arbre c'est pas mal. Là il est bien. Putain, regardez comment il vient de défoncer, genre la moitié de la vie de l'illuminateur en une attaque. Ok. Mais putain, faut qu'il revienne plus vers ici. Voilà, ça c'est cette attaque là qu'il faut à tout prix éviter. Et les 5 suivantes. Non ! C'est bon, je suis vivant. Putain, faut. Alors, par contre, ici, ce qui est chiant, c'est qu'il y a une maison. Putain, sérieusement, il l'a tué. Et voilà. Et voilà. Trois coups. Trois putains de coups. C'est trop bien, on entend ton cri résonner. Ça... Il y a quelque chose de beau là-dedans. Allez. Max, c'est pas suivi. Non, 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 non. Putain de caméra de merde. En vrai, 90% de mes morts dans ce... Non ! Putain, il a fait sa super attaque ! Putain, il m'a tué. En tout cas, je voulais dire bravo à Jérémy le Gobelin. Il a réussi à écrire le pseudo du personnage d'Eliminator qui a gagné des Moussakas. Bravo à toi, Jérémy le Gobelin. Bien joué. Et bien joué à nous aussi, on est corps mort. Le chat doit être mort de rire. Il était presque mort. Et c'est incroyable, c'est incroyable. J'ai pas eu autant de difficultés quand je l'ai fait moi-même. C'est délirant. J'appelle la putain de cloche. C'est juste hallucinant. Je vais prendre une... Un savoir de dément, ouais. Parce que... Ouais. Bah sinon tu peux faire bien dit, hein. Tu cours et tu vas super flot. Putain, je déteste ce monstre. Il est... Oui, mais si je cours, en vrai, je pense que j'ai autant de chances de mourir en courant qu'en l'affrontant. Non, bah, si tu me suis, si tu me trains, t'inquiète pas, tu mourras pas. Parce que là, je pense que on va y aller toute la nuit, donc il vaut mieux éviter. À la limite, tu peux revenir le tuer quand tu seras à côté du feu, ce sera plus simple. Mais là, pour tout de suite, je pense qu'on va y passer un moment. Attends, je suis dans... Non, je suis pas encore dans ton monde. C'est dommage, si Maxime avait été un peu fort, et il aurait pu tuer. Il est ouf, quoi, ce monstre. Enfin, franchement, son panel d'attaque est tellement varié. Enfin, varié dans la puissance, j'entends. Et dans la portée. Enfin, sérieusement, la portée qu'il a, quoi. Quand ça se max, on est chat. Ah, attends, je suis dedans. T'es en bas, non? Ah, oui, oui. Bon, s'il y a une sonneuse de cloche sinistre, je suis dedans. Ouais, je vais le tuer. Allez, c'est la première fois que j'en vois une de tout le jeu. Bon, on va essayer de pas mourir en chemin. Hop, je viens de tomber, c'est pas grave. T'as attiré l'autre, putain. T'as attiré... Putain de merde. Mais putain, je mongolise des doigts. Mon dieu. Alors évidemment, je tiens à préciser que c'est totalement pour me mettre au niveau de Maxime que tu fais ça, évidemment. Ah ben oui. Oh non, le live de la honte. Je prends. Heureusement que j'ai fermé le live pour pas voir les commentaires, parce que là, ça doit bien se foutre de ma gueule. Te lève du viol. Et vous avez bien raison de vous foutre de ma gueule. Là. Je te réinvoque. Ah merde, okay. Je peux pas. Bah non, je peux pas. Enfin, du coup, tu peux venir, je pense. T'as pas besoin que je ressonne, en fait. Il sera pas diffusé ça, mais si, je m'en fous. Attends, c'est trop bien. Il va disparaître, la vidéo de Soma. Débile Minato. N'importe quoi. C'est la version. En fait, c'est. Voilà, t'as qu'à dire que tu es ton jumeau maléfique, débile Minato. Jouer Bloodborne. C'est ça, c'est à jouer cause. Jouer Bloodborne, rigolo, ennemi. C'est à cause du brocoli, c'est pour ça. Ouais. D'ailleurs, pour explication, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui se sont demandé pourquoi j'ai un brocoli sur la tête, en fait, c'est parce que quand tu donnes le liquide céphalorachidien à l'autre, là, ouais. Qui est... En fait, à la fin, elle te donne une rune, et cette rune, en fait, donne beaucoup d'avantages, mais en compensation, ben, t'as ce physique de top brocoli démoniaque. C'est sympa. Mais c'est très pratique, et ça me permet d'utiliser la, comment mieux, l'espèce de, les trucs de tentacules, en fait, c'est l'arme que tu obtiens quand tu battras le boss. Cool. Enfin, arme ultime. Ouais. Ouais. Moi, j'ai mis parce que c'était rigolo. Il faudrait que je retrouve du liquide céphalorachidien, mais du coup, on fait comment?
pour le dernier. Le dernier liquide céphalo-arachidien, en fait, c'est très simple, mais un petit peu vicieux. C'est qu'en gros, la fille sur la chaise, elle est devenue une espèce de grosse tête. Eh ben, il faut la tuer, d'accord, récupérer le liquide et elle ressuscite. D'accord, c'est ce que je pensais, en fait. Voilà, c'était vicieux, je l'ai découvert hier. Ah, j'osais pas le faire, parce que c'est le genre de truc où j'ai fait, mais oui, ça va être ça. Et puis tu meurs. Bon, ne tombe pas. D'accord. Trop mauvais. Ne pas tomber. Comment perdre de crédibilité en un live, quoi. C'est vrai que à chaque fois t'as les Minato qui arrive et tout, qui poule le boss. En plus on a jamais fait. Ouais, c'était genre le héros du live maintenant. C'est la rusée. Toute ma légende est un mensonge. En même temps, c'est Bloodborne le DLC, hein. C'est pas des bullshit comme Dark Souls ou. Mais pourquoi c'est toujours ce chien à la con qui a mon âme, quoi? Hop. Alors attention, le chien. Oh, le chien. Fourchette man. Fourchette man. Le chat se dit, le pauvre il nous faisait rêver sur le live et Minato, mais au final il est aussi mauvais que nous tous. Ah bah ouais! Non, mais le truc c'est que tu peux tellement facilement mourir, enfin je veux dire c'est genre impardonnable. Bon alors, quel est le plan? Bon, tu me colles au train. D'accord. Et je vais tenter une percée. Ok. Mais surtout ne ralentis pas. D'accord. 1, 2, 3, allez! C'est parti! J'ai peur. Oh putain, il est juste derrière moi. Aïe! Putain. Okay. Voilà, c'est bon. Le feu est juste là. Ouais, je vais l'allumer quand même. Oh fuck me! Tu vois, c'est pour ça que je te disais de l'éviter. Le feu était juste derrière. Ah la vache. J'avais pas vu que mon compteur d'âme était vachement monté quand même. Hop, attends, je monte là, voilà. Y'a rien en fait ici, je suppose. Y'a du loot, mais à part ça, ouais. Pas grand chose. Ouais. Oh là, il a en gagné le pape. Putain, il a gagné pays de. Ah putain, y'a une semeuse de cloche. Ah oui, attention, y'a un mec qui va être invoqué. Fais gaffe, il est pas hyper dangereux, mais il peut le devenir parce qu'on est en hauteur donc. D'accord, c'est lui là. Le voilà. Il a l'air gentil. Ça fait trop, on l'attend déjà. Ah, c'est lui là-bas. Et on peut l'attendre ici sinon. Ouais. Ah, c'est toi qui l'as déjà fait du dégât? Ou c'est lui qui s'est fait du dégât? Non, c'est toi. Non, non, il s'est sacrifié de l'énergie. Ça lui a vachement servi, comme tu vois. Ouais. J'ai un brassard. Putain, c'est classe ici. C'est vraiment classe comme endroit. Attends d'arriver dans les mines, ah, bizarrement, c'est, tu vas moins. C'est un ennemi ou rigoler. Pas le truc là? Ouais. D'accord. Lors d'un prochain live, j'essaierai de faire gagner Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Mais je cherchais une question qui en vaut la peine. Faut-il vraiment descendre où tu es allé? Tu peux, de toute façon. J'aime pas cette zone. Elle est vraiment... je sais pas. Ah, c'est clair qu'après la tour super classe, tu tombes dans... Ismuth, voilà. Ouais, et puis t'as vraiment. Je sais pas, les ennemis sont vraiment pas cool en fait, dans le sens qu'ils font plus perdre ton temps qu'autre chose, et je trouve ça super relou. Alors, ici c'est la suite du donjon. Fais gaffe, il y a des monstres qui balancent des éclairs. Je suis fucking sérieux. D'accord. Ah merde. What? D'accord qu'il balance des éclairs d'en bas. What? Mais c'est quoi cette merde? Il est où? Attends. Ah, j'ai trouvé. Il est où? Ah d'accord, c'est le truc là. C'est le mec avec son bâton. Ok, le mec sympa. Alors, normalement, il y a un raccourci.
Putain, ils sont généreux, n'empêche, en truc de... Oh, shit. Oh, voilà, j'ai des beaux. Attends, t'es où? Attends, t'es où? C'est là? Ouais, j'arrive. Attends. Oh. J'ai failli mourir. Voilà. Le raccourci est où? Et là? Là, c'est le raccourci. Mais c'est le raccourci, ça. D'accord. Et il y a une porte aussi fermée, là. Ouais, cette porte, ce sera pour le boss. Ouais, youpi. Bon, oh, c'est cool. Oui, tu peux dire youpi parce que le prochain boss. Je sais même pas si à deux on arrivera à le battre parce qu'il est hyper chaud. C'est certainement le boss le plus dur du jeu. C'est celui que t'avais dit. Putain, c'est super. L'orf de Kos. Putain, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Je crois que j'ai de quoi monter un level. Ouais, non, pas encore en fait. Ah, c'est cool, il donne 1000 quand même. Putain. Je trouve que leur hitbox elle est un peu chelou des fois. Ah ouais. Ouais, un petit peu. Ah oui, donnez-moi des fioles de sang parce que j'en ai plus beaucoup. Moi j'ai que ça. C'est... ah, on remonte là? D'accord. Ok. Par où? Faut descendre en fait. Ouais. Il y a un ascenseur ou une échelle. Ah, il y a une échelle. C'est hop. Ah, il y a des petits œufs. Ah, ça a l'air dégueulasse. Fais gaffe. Tu te souviens qu'à un moment donné, tu as croisé un homme escargot? Ouais. Et ben là, tu vas en croiser 10. D'accord, mais ils étaient morts. Fais gaffe, ils ont l'air gentils, mais en fait ils sont très agressifs. Oh fuck. Maxime est parti pour se faire escorter jusqu'à la fin du jeu. Non, je suis côté. Oh, je suis mort, je crois. Ça va, t'as survécu? Ouais, j'ai eu peur. Ok, je me fais toucher pendant que je dis ça. D'accord, donc taper les coquilles. Ah, c'est... Ils sont moches. Putain, non, putain, je peux pas le taper pendant... Non, pas de bisous, non. C'est bon. Ah, putain. Bloodborne, ses ennemis adorables. Sa DA délicieuse et calme. Hop. Un vrai régal. C'est vraiment une horreur ce jeu. Visuellement, c'est vraiment tout le temps dégueulasse. Quoi. Alors là, je sais bien qu'il y a encore un moment chiant. Puisqu'il va y avoir un mec qui va se faire invoquer. Les espèces d'hommes. Ah bah tiens, justement, il y en a un qui arrive. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est les omnimas. C'est les mêmes que les autres mais sans carapace. Et du coup ils sont vivaces. Putain, à deux c'est tellement plus simple. Ah ouais, y en a un derrière, attention. Mais attention parce que là... Je vais aller au bout récupérer le truc. On a perdu 7 vues, alors tu meurs plus. Oh merde, il est juste à côté de moi le mec. Attention, il y a une vieille qui va lancer. Attends, j'arrive. Il est pas si dur, mais il m'a fait mal. J'ai un pantalon ensanglanté. Attention, il y a une vieille qui balance des crânes mauves, donc. D'accord, je la vois pas. Elle va arriver. Ok, je la vois. Putain, mais ils vont loin, c'est con. Merde, ça va? Attends, attention. Ça va. Ils sont vraiment pas sympas, ça. Hop. Alors, ouais. Là, faut tomber. Pas dans le trou, hein. Ouais, c'est ce que je regardais, en fait.
aussi. Ça a l'air d'être un étrange piège. Putain, non, pas les meufs qui chantent. Alors, bon, suppositoire, non, tout le jeu n'est pas fait à deux, c'est juste que là, il a invoqué Vilminato parce qu'il est nul et qu'il a besoin d'aide. Tout à fait. Donc ça, c'est le raccourci. Voilà, ça, c'est le raccourci pour aller au feu. Et juste après, c'est le boss. Ok, je vais ouvrir le raccourci déjà. Je vais aller investir mes âmes. Ah, mais si je me... Tu t'es désinvoqué si je vais investir mes âmes, hein. Je crois que tu es désinvoqué. Je sais même pas si tu peux retourner, en fait. Non, je peux pas. Bon, attends. Je vais quand même... Je vais mettre un silence, et après... Et après, je te réinvoque. Ouais, je vais... Bah, je vais me déco, en fait, donc... Silence. Ça marche pas. Attends, je quitte, ouais. Hop. Comme ça, tu pourras investir tes âmes. Parce que, en vrai, je vais mourir pendant le boss, c'est très vraisemblable. Alors, je me souviens, mais il me semble qu'avant les marécages, il y avait d'autres zones, non? Oui, c'est ça. Avant cette zone-là? Avant quoi? Avant le village des ponts, il y avait une autre zone, non? Tu recommences dès le début et tout. C'est... Ok, non, ça c'est comme il y a le qui demande. Ah, attention, on entend un écho, Evimieto. Mais du coup, ouais, il y a pas mal de zones avant ça. Hein. Là, c'est, je sais pas si c'est la fin du DLC, mais c'est bien. Désolé, je tapais, donc c'est pour ça que. Ouais. Mais du coup, c'est. Moi, j'ai trouvé le jeu un peu sombre, le pas demandé si c'était ça dans tout le DLC. Non, non. C'est pour ça. Là, on en est où par rapport au DLC? Alors ici en fait, il reste le boss, l'orphelin de Kos, et ouais, ensuite. Spoil pas hein, sur le reste. Et ensuite, il restera un boss tout simplement, le boss caché. D'accord. Ah oui, celui, le fameux loup-garou géant. Le démon clérical en feu. Ça va être bien ça. Je sens que je vais le. Ah oui, j'ai mis une cinquantaine d'essais à le battre. Ouais, on va bien s'amuser. premier coup. Direct. Hop. Alors, est-ce que j'ai des nouvelles gemmes intéressantes? Non, je crois pas. Ça c'est ouf quand il n'y a que des gemmes de merde. Ah, peut-être celle-là. Celle-là. Non. 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 Bon bah c'est tout. J'ai encore 12 000 points, je vais acheter des potions. Ah, même avec toutes les potions que je trouve et tout, j'en ai pas beaucoup en fait en stock. J'en ai genre une trentaine en stock. C'est cool, les élèves à 3h20, les gens sont super calmes. C'est vrai, c'est trop bien. C'est Castor le boss caché. Il se prépare en fait. Attends, faut que je retourne dans le jeu là. Hop, merci beaucoup à Parce que Bit. Bravo, vous avez réussi, DSL du retard, hâte de voir vos nombreuses prochaines morts. Je vous adore. Merci beaucoup. Il nous félicite d'avoir réussi. Eh bien merci à toi. Du coup je reste près du feu et je fais le bidule. Oup. Oh, attends, je vais revenir. Hop. C'est dur de... C'est trop dommage que dans Demon's Souls, ça soit à chier, la coop. Bah, ils ont amélioré, en fait, au fil des jeux, parce que, bon... Ouais. Dans Demon's Souls, tu peux invoquer des gens, mais le problème, c'est que tu dois être en humain. Or, dans ce jeu, en fait, t'es humain... 3% du jeu. Ouais, c'est chaud, quand même. Parce que même dans Dark Souls, premier du nom, c'était chaud, déjà. Ah oui, ouais. Mais là, c'est pour ça, dès que fait Dark Souls, j'ai dit « Ah, ça c'est bien, tiens, maintenant je peux redevenir humain beaucoup plus facilement. » Parce que bon, attendre de battre un boss, attendre d'avoir une pierre que tu lootes peut-être une ou deux pendant tout le jeu... Ah, c'est chaud, quoi. Ça la fout mal. Tu as lancé la cloche? Ouais. Mais c'est Maxime, même plus de risque, il essaie même pas de battre le boss tout seul une seule fois, quoi. Non mais je te rassure, il faudra un énorme coup de bol pour qu'il arrive à le battre tout seul. On en est arrivé là, je veux dire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris le contre-coup du jeu, en fait.
Ils se sont dit, de toute façon, le jeu était trop simple. Les gens ont dit ça, bah tenez, on va mettre de la difficulté et on va vous faire en sorte que vous creviez comme des merdes. C'est vraiment ça, cette zone, je trouve. C'est à peu près ça, à peu près tous les gens qui ont joué au truc là ont dit le niveau comment niveau difficulté DLC, ils ont craqué leur slip, c'est pas possible. Hop. Ah, il y a un petit objet que j'avais pas vu. Ah putain, attends, je monte juste pour voir ce qu'il y a en haut. Hop. Vas-y, vas-y. Ah, oh, d'accord. Il y avait rien. Oups. Ok. Bon, on va rencontrer mon pire cauchemar. Il faut les tuer, eux ? Non, ça. Non, non, ça sert à rien, ils lootent rien en plus. Est-ce que mettre de l'électricité ou du feu aidera ? Non, sincèrement, non. D'accord. Bon, te préviens, il a en gros ce boss aura deux transfos, tu vas voir que la première va déjà être violente, la deuxième. C'est parti. Voilà. Oh merde, qu'est-ce que c'est que cette chier. Ah putain, c'est ça fait joli avec le soleil en fond, enfin je sais pas si c'est un soleil. C'est. Je pense que c'est. Ça me rappelle les ennemis dégueulasses qui me crachaient des trucs dans le marais. Hein. On dirait une sorte de raie, mais de bizarre. Merde. Enfin, quand on la voit sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ça? Un personnage fort à sa chute. Il a une épée en plus aussi. Bon, il a l'air gentil. Ah merde, son épée est dégueulasse. Oh la vache. Oh merde, le pleur est tellement fort dans mes oreilles. T'es là ? Hey, copain, regarde, je suis comme toi, j'ai une tête, j'ai une drôle de tête, allez, s'il te plaît, sois gentil. Ah putain, lui il me fait flipper par contre. Pourquoi il s'approche de moi ? Non oh, putain, on lui fait pas de dégâts, c'est ouf. Putain, il est horrible. Ah, il est très violent et très rapide. Oh putain, son attaque, c'est une couille magique en fait, il a un peu la couille de Havel. Ah merde, c'est horrible cette attaque là. Non! Et si vous pouvez voir, il me fait beaucoup moins de dégâts que l'homme requin. C'est sa première transformation. Non, il va avoir une espèce de cape quand il se transformera. Il va être beaucoup plus rapide. Ouais. Et là, je trouvais, j'allais te dire, il est un peu lent. Alors, c'est largement assez balèze comme ça. Non. En plus, généralement, quand il y a un boss, c'est que. C'est vrai, en plus, il fait moins de dégâts que l'homme poisson. Oui. Il est moins de portée aussi. Une attaque plus lente. En vrai, le poisson. Par contre, le poisson sera déjà là. J'aime pas les boss comme ça où la première transformation elle est genre lente et relativement faible. Relativement. Ne miscotez pas ça. Ouais, il a l'air terrible, le boss. Pour l'instant, ça va. C'est bon, bonne partie. Oh shit, c'est ça? D'accord, c'est ça. Deuxième forme. Ok. Attention, là, il va devenir méchant. Il y a que deux formes ou trois formes? Deux formes. Pas l'approcher. Oh merde!
Oh, c'est trop bien, j'arrive, j'ai des grenades. Ah merde, il fait trop peur quand on se déplace. Non. Putain, il m'a fait très mal. Ah non, putain, en fait, il fait vraiment moins. Enfin, après le requin, il me fait moins peur. Ça paraît débile à dire, mais. Ok, qu'est-ce qu'il fait quand il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait? Oula, putain, ouais, bon. J'avais oublié cette attaque. Ça, ça m'a rien fait. J'ai eu trop de balles. Oui, bon, tu peux éviter les éclairs, mais bon, c'est surprenant. Oh, oh putain! J'y crois et j'ai plus trop peur en même temps. Ouais, moi aussi. Je me dis, tiens, le combat se passe un peu trop bien là. Je sais pas pourquoi je sens une gaffe. Fais gaffe. Attends, je prends l'aggro. J'ai rien pris du tout. Voilà. C'est trop bien ce coup des grenades. Encore une fois, une des difficultés principales de ce boss, c'est la caméra. Non, 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 non. Oh putain, t'y as échappé de peu. Oh merde, 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 les éclairs. Oui, il enchaîne le truc. Mec, t'es mort. Enfin, j'ai eu trop peur. C'était à deux doigts, j'ai failli y avoir les machines. Non. Putain, il vient de me défoncer ma race. Et je suis encore en vie. J'ai pas ça. Quand il fait cette attaque, faut pas se faire choper. Non. Quand je dis ça, je me fais choper. Putain, je vois rien. Norfell. Même c'est ça le truc dont il sort. Ah c'est dégueulasse. Non. Il a, en même temps il a une gueule que seule une mère peut apprécier. Merde. Me fais pas rire putain. Je me fais défoncer, me fais pas rire. Oui. On l'a eu du premier coup. Putain un first try, bien joué. Bien ouais. C'est ça le boss le plus dur. Ah mais. Mais normalement c'est le plus dur mais. Là, on a bien joué pour le coup. Donc il reste quoi là maintenant? Il reste Laurence en fait, le boss. Le démon clérical de feu. Putain, c'est tout. Et après, j'ai terminé le DLC. Et après, t'as terminé le DLC. Donc t'as terminé le jeu. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc là? Oui, tu peux. Tu peux. Comment? Pour mettre fin à la trame entre parenthèses du DLC, tu peux. Tu peux comment casser tuer ce truc là mais bon ça ne sert plus ou moins à rien à part à changer le décor. Ça fait quoi le décor? Moi bon, je vais du le faire. Tout. C'est juste plus joli. Moi je vais le faire, allez c'est parti. Boum. Cauchemar éliminé. Petite vidéo. Et ensuite, on va tuer Laurence. Ah. Ouais, si on y arrive. Parce que là, la caméra va poser problème. 20 parties avec le DLC. Sinon, c'était 16 parties, je crois. Je sais plus. Boum. D'ailleurs, Maxime, je vais rentrer le message. Il y a Carmelia F1 qui disent, je sais pas si tu connais Pokémon Showdown, ça pourrait être cool un Globule Multi dessus. Pokémon quoi? Showdown. Non, je connais pas. Show comme le, un show. Putain, c'était assez facile ce boss, c'était cool. Enfin, facile. On s'est bien battu quand même. Parce qu'on était deux et qu'on a bien joué. Oh, peut-être parce que vous étiez habitué au requin, donc. Ouais, je pense qu'en vrai, franchement, sans déconner, le requin me semble beaucoup plus dur. Ouais, allez. Je me souviens pas avoir autant galéré sur lui, c'est ça que. Enfin, maintenant que j'y repense, j'ai peut-être tout simplement évité en fait. Ouais, bah. C'est peut-être ouais. Ça. Je pense que c'est malin d'éviter. C'est le bon choix à faire. Bon, je vais prendre.
quand même des petites potions au marchand. Le fait qu'il y ait un marchand et tout, ça c'est pas mal quand même. Je sais pas. Dark Souls 3, j'ai un peu peur du format qu'il va prendre, mais j'espère qu'ils font ça. Bon alors, du coup, pour aller voir... Merci beaucoup à Parskevit qui dit... Allez, 15 de plus pour le petit accent sexy d'Evil, Minaton et encore bravo. Et il a mis 15€ de plus pour l'accent sexy d'Evil Minaton. Eh bien, merci beaucoup Parskevit. Église du cauchemar, c'est ça? C'est plutôt le début du DLC, en fait. Le cauchemar du chasseur? C'est ça. Mais du coup après tu vas arrêter Bloodborne donc. Après une fois que j'ai fini ce boss là, il me reste plus que le boss final et j'ai fini Bloodborne. C'est ça. Comment ça le boss final? Il y en a encore? Ah oui, il y en a encore. Le trou ou last boss, je l'ai pas fait en fait. La présence lunaire. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il sera facile à côté de ça. Alors du coup, cauchemar des chasseurs. Attendez, je sais même plus où c'est. Ah si, c'est juste au bout de ça en fait. Oui, il y a une espèce de mec tentaculaire qui sort de ça en fait. C'est pas très loin. Il y a ce mec là. Donc il reste encore deux boss à faire. Ouais. Mais pas des moins. C'est pas des petits boss. Okay. Je me rappelle plus ce qu'il y a. Il y a des corbeaux. Ah, du coup, Jackie Star, la question que j'allais poser, mais c'est quoi après du coup qui est prévu? Alors après, c'est Demon's Souls. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était que sur PS3. Ouais, vous avez jamais pu c'est ça. Ça. Et la dernière fois, j'ai voulu commencer, mais en fait, il faut un câble YQV pour le faire, parce que sinon, il y a une protection, en fait. Comme sur la PS4, au diapason, mais normalement, j'ai un dédoubleur qui permet d'annuler cette protection. Mais ça n'a pas marché, parce que... Aïda, il y a Carmedia qui par rapport à Pokémon, il dit c'est un simulateur de combat, tu crées ton équipe comme tu veux, sans aucune aventure, et tu combats, c'est 100% stratégie. Ah, ça peut être rigolo, je trouve. Même si bon, c'est pas trop ça qui m'intéresse dans Pokémon. En fait, j'aime bien l'aspect collection dans Pokémon, mais je sais pas, l'aspect exploration, oui. J'aime bien les deux, on s'en fout. Bah écoute, si c'est facile à mettre en place, pourquoi pas. C'est lui, Potos. Vous venez vous battre contre Toulouse, vous aussi? T'as perdu. Je t'attends devant le boss, normalement ça sera bon. Bizarrement pour lui, on peut m'invoquer, j'ai déjà invoqué des potes pour m'aider devant le boss. Non. Je vais pas invoquer des potes de merde. Je sais que t'es plus puissant. Donc toi t'es où? Juste devant je le boss, suis devant l'hôtel. Devant le boss. Normalement tu pourras m'invoquer. Ouais. Et puis après on le sait. Ok. Et ben c'est parti. Donc je t'invoque maintenant. Ah ben non c'est bon en fait. Non je peux pas t'invoquer. Pourquoi je peux pas t'invoquer? Attends. Merde. Non il y a la vidéo. Ah fuck. Bon bah y'a la vidéo. Je vais mourir. Bon bah tu vas pouvoir tu vas pouvoir constater la puissance du boss. Et c'est là qu'il le bat du premier coup. Non. S'il le bat du premier coup, tu vas avoir la haine. Parce que moi ce boss, je suis mort au moins une trentaine de fois. Franchement je pense pas. C'est lui, on l'a déjà vu celui-là, il était en train de dormir là. Ouais. Et du coup la première fois où j'ai galéré sur un boss sur Bloodborne, c'était sa première version en fait. Et du coup c'était la première fois où Evil Minato est venu m'aider. Du coup la boucle est bouclée. C'est ça. Il a l'air horrible. Ah c'est là vraiment que la caméra va te poser des gros problèmes. Ouais bah oui. C'est ça en fait le problème, c'est plus l'ennemi est gros, plus tu sais qu'il est rapide, plus c'est la merde. Putain il fait vraiment notre bruit là. Dégage du feu, d'accord. On se dit, le premier était trop facile, il faisait pas assez de dégâts. Ça fait trop en fait, tout le monde l'a battu en faisant une épée de feu, alors beaucoup lui ont mis du feu.
Putain, il a l'air horrible. Ça me rappelle des mauvais souvenirs en fait. Du premier, de la première version. Ah fuck. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le gros problème de caméra qu'il y a. Mais non, c'est un effet dynamique. Celui où tu vois pas ton perso et tu comprends rien à l'action. Laisse-moi deviner, il peut se soigner. Non. Par contre, il fait une attaque chelou que j'ai jamais très bien compris, où on va pas augmenter sa force. Mais tu vas voir que celui-là, il a beaucoup d'allonge, il a une attaque où il monte son bras dans le... Je connais très bien ses attaques maintenant parce que... Il va plonger son bras en fait en dessous. Etc. Attends, je te distrais pas trop parce que... Ouais, c'est vrai. Non, putain, éloigne-toi. Putain, il me défonce bien ma race. Ouais, moitié de l'énergie, c'est déjà pas mal. Je faisais pas si bien lors de ma première partie. Ouais, mais bon. J'ai pas. J'ai toujours des problèmes de caméra de merde, quoi. Je vois rien. Donc, voilà. Putain, alors, juste pour donner une idée quand même, il m'a tout shot. J'avais toute ma vie, il m'a tout shot. Ah, il est quand même fou. Ok. Eh ben, il est cool. Ça va, je pensais qu'il serait plus dur que ça. Et je pense que c'est parce que aussi mon perso est bien EP à force. Quoi. Moi, le problème, en fait, c'est qu'à plusieurs reprises, ce boss, tout allait bien, tout allait très bien. Jusqu'à la deuxième forme, où il y a un nombre incalculable de fois, il lui restait quoi? Un petit coup, et il m'a quand même battu. Ah bah c'est bon, on finit Bloodborne ce soir. Il y a le boss de fin après. Enfin, déjà, faut battre celui-là, mais ensuite, il y a le Troulas boss. Hein. Ah mais j'ai pas vu là. Ah merde, je suis con en fait, je croyais que j'avais plus de trucs, mais si j'en ai plein. Du coup tu m'attends où, Evil? Devant le boss, normalement je devrais pouvoir... Mais devant la porte Oui, devant la porte du boss. Et j'ai regardé le chat quelques secondes, du coup j'ai cru que j'allais tuer le boss. C'est la caméra qui m'a touché, ouais ça doit être ça. Non, en vrai, c'est un des gros problèmes. Mais même, enfin, dans Dark Souls, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop ce problème. Le coup de la caméra, puis du verrouillage, en fait. C'est surtout le verrouillage qui fait chier. Allez. Trop bien, celui qui est fâché. Il y a deux, si il y a tout, fait pas n'importe quoi, genre... Mais du coup, est-ce que c'est une facilité de réutiliser le même boss et de mettre juste des flammes dessus? Ouais, mais c'est en rapport avec le scénar, je pense. C'est scénar. Ouais. Je vais mourir juste avant le boss. Non, ça va. Hop. Il n'a pas peur d'utiliser comment des fioles de sang, il en donne 5 lui. Ouais. Il en a donné 6 là. Exceptionnellement. Parce qu'il m'aime bien. Ah, il nous attend. Sans du viewer à 3h40 du matin, c'est pas mal, je trouve. C'est vrai. Mais c'est parce que j'ai fait des annonces bien à l'avance. Ça aide toujours. Et puis c'est parce que c'est pas Tomb Raider. Hop, bon. Voilà, bon ben on attend. Ça peut prendre 30 secondes comme ça peut prendre 10 25 minutes. Minutes ouais. C'est impressionnant ça, comment ça marche pas. Après c'est moins contraignant qu'avant. Hein. Ouais, bah, c'est ça quoi. Même dans Dark Souls, ça allait en fait. Hein, je trouve. Ah ben voilà, ah, je suis déjà là. T'es où? Comme quoi? Attends, j'arrive. Bon. Eh bien, c'est parti. Ready to die.
Ne pas. Alors, ne pas oublier que voilà, comme là, le boss me montre très bien, il peut me one-shot. Et voilà. C'était bien comme try. Voilà, donc j'explique, le premier coup qu'il fait, en général, il fait toujours ça. Toujours ce premier coup. Donc il faut l'éviter. Il faut regarder, en fait, si tu vois que son bras reste planté dans le sol et qu'il y a des flammes, bon, ça se jouera quelques centièmes de seconde, ça veut dire qu'il fait, donc il faut vite reculer. Ok. Parce que des fois, il te feint, des fois, il balance son bras, et en fait, c'est juste un mal et tu pourrais le toucher. Et il fait genre, je t'ai bien lu, je t'ai bien lu. Ouais. Et la deuxième forme est... Deuxième forme est horrible en fait que... parce que le problème ce sera de le toucher. Ah, parce que là en fait on a le droit à la deuxième forme, elle arrive à quand à peu près? À peu près quand tu arrives au dernier quart de son énergie. Sympa. Putain, ça va être long. Hop. Max qui fait son Minato. N'importe quoi. Ça fait le début de Bloodborne, mais j'ai pas pensé en parler avant. C'est sympa le fait que les monstres se battent entre eux des fois. Ouais, ça c'est un des trucs. Merde, j'ai pas pris de potion. Ouais, ça va. Je t'appelle. Belle. Voilà. C'est un speedrun de Dark Souls ou Bloodborne, ça doit être affreux. Mais pas forcément, je crois, parce qu'en fait, t'apprends des techniques qui te font faire. Enfin, qui te font passer outre les combats, les trucs comme ça, et je crois que ça va en fait par rapport à certains autres jeux qui sont vachement plus. Vachement moins amenés sur le côté speedrun. Hop. Combien de temps ? Le pire, j'ai vu un speedrun de Dark Souls. Le pire, c'est que j'ai été capable de dire oui, c'est tout à fait possible, je serais totalement capable de le faire si j'avais les mêmes réflexes. Ouais. Ça c'est. Une autre parce qu'une fois que t'as compris le jeu, en fait, finalement, tout ce qu'il fait, j'ai dit ah oui, c'est parfaitement logique. Et c'est ça, ah, en fait. Ça y est, j'arrive. C'est pas, enfin, les speedruns que j'ai vus, c'était pas des trucs. C'était attention, le joueur était très bon, c'est pas ça. Mais c'était pas aussi ouf que voir un speedrun de, je sais pas, Super Mario ou un truc comme ça, quoi. Parce que de toute façon, le jeu te demande de très bien jouer. Maxime, il y a quand même IFR.fr qui t'a envoyé un mail avec des infos sur quelque chose et qui se propose d'organiser la logistique. D'accord. J'irai voir ça. Putain. C'est tellement plus simple à dire. Putain, niveau caméra, c'est quand même de la merde. Hein. Faut le dire ce qu'il y a. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Putain, elle a une allonge. Oui, fais gaffe, il est une allonge de malade. C'est possible. Tu t'es fait toucher ou quoi? Oh non, 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 non. Recule, 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 recule. Oh merde. Merde, 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 je regardais pas l'écran, putain. Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'étais assez loin, du coup j'ai pas regardé et... Oups. Et oups. Putain. Le pire, c'est que je peux même pas faire... le trou last boss, parce que enfin en attendant je veux dire, genre si je fais le trou last boss je dois faire ça en new game plus. C'est ça. Ce jeu.
Tu l'as fait en New Game Plus, toi, ou pas en normal? Je l'ai fait en New Game Plus une fois, mais le perso que j'utilise là est en normal, parce que j'avais un petit peu peur de la difficulté du DLC, j'avoue. Je me suis dit, ouais, non, du premier coup. J'ai un pote, par contre, lui, il le fait en New Game Plus 3. Sérieux? Il pleure. Il pleure vraiment. En plus, ça arrive à une tête. En plus, ce que j'aime pas avec une Game Plus de Dark Souls, c'est que autant le 1, c'est assez crédible, autant par la suite, c'est juste ridicule dans le sens que c'est juste des gros sacs à PV. Quoi. C'est ça. Le pire, le New Game Plus de Dark Souls 2, ils ont truffé le jeu de fantômes rouges à tous les coins de niveau. Ah, ce fail de Monsieur Esclave, la question c'est, j'ai demandé le nom complet du boss que tu combats, il a marqué Laurence, le premier viquet. Ah, c'est triste. Et juste après, derrière, t'as Caprica qui marque le bon nom. Bien joué Monsieur Esclave, tu as gagné un paquet de mouchoirs. On lui paye pas le paquet de mouchoirs, attends. On peut en acheter un déjà. Un Castor, suite au fait qu'il n'est pas le préféré des gens suite au sondage interne qu'il y a eu et dont il n'est pas au courant. Comment ça? Je pensais que Minato était une fille. Ah non, je suis un grand belge, comment de 30 ans, et j'attends devant les écoles maternelles, comme mon papa. Comme tous les belges. Et son papa avant lui. Il y a beaucoup de belges devant les écoles maternelles. Là, j'ai un pote qui regarde d'ailleurs le live, et ça doit bien le faire rire en ce moment. Non, je pense que c'est tout à l'heure qu'il a rigolé. Quand on était dans le village. Ah oui, oui. Moi qui est toujours en train de lui dire, ah, mais mec, tu comprends, bon, il faut que tu sois un vrai joueur et tout. Un vrai joueur, tu te fous de ma gueule? J'imagine qu'il est belge. Ah ben voilà, il vient d'intervenir, il se fout de ma gueule. Ah, ça y est, c'est rapide, j'arrive. Conseil, juste comme ça, ne meurs pas. Ça peut résumer tout Bloodborne. Comment tu veux jouer mieux? Ne meurs pas. Prêt? Ok. C'est parti. Y a Flo, je vous poserai un peu le boss. Ouais, merci. Putain, ce talon du salope. Non! Non! Qu'est-ce qu'il fait? Il avait encore jamais fait ça. Elle, pardon. N'oublions pas que c'est une femme. C'est une femme ou pas d'ailleurs? Bah, je sais pas. Je crois que oui, parce que quand on arrive au début, c'est une femme. Dans le jeu. De base. Mais j'aime bien parce que tu bouges pas pendant plein d'attaques qu'il fait, ça fait trop genre. Bah là, j'attends. Mon Skype a sonné juste à ce moment-là. Pire moment ever. Réponds, c'est peut-être lui. Il essaie de me communiquer un truc. Tu l'as attaqué ou pas encore? J'ai l'impression de pas lui faire de dégâts, c'est assez frustrant. Non! Pars, va-t'en. Cours très loin et reviens jamais. Non. Putain, par contre, il y a un des trucs qui est insupportable. Ah, t'es mort. Ouais, je suis mort, merci la caméra. Parce que là, c'était épilepsie! Monsieur, je l'avais prévenu, il est très violent. Ouais. Ouais, mais. Ah putain, cette attaque-là me fait terriblement mal. En fait, le problème, c'est. Ouais, c'est.
Non, 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 cette attaque-là va faire... Voilà. Il fait toujours le retour en plus. On le sait à force. Boum. 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 Ok. Boum. Là, explosion. Là, là, on a une ouverture. Ou pas. Putain, merde. Ou pas du tout, même. Putain, mais il a tendance à spammer ses attaques quand même. Surtout cette putain d'allonge. Ok. Putain, j'ai foiré. Putain, c'est quoi ça? D'accord, je sais pas pourquoi des fois ton personnage décide de rester bloqué contre un mur, tu sais. Bon, là c'est bien trouvé. J'ai pas un peu. Pourquoi je fais ça? Putain. Il s'est soigné là, non? Non, non, il se soigne pas. Ou alors il devrait en cacher des choses. Ça se tient. Ah, waouh. Putain, il m'a bloqué ou? Ouais, il m'a bloqué, je crois. En fait, c'est super dur quand vous voyez pas la caméra, je vous explique pour la simple et bonne raison. Que il faut que vous voyez le monstre pour savoir quand il va attaquer, pour faire la roulade au bon moment, sinon vous êtes mort. Et le truc, c'est que comme la caméra se barre en complètement couille, vous voyez absolument pas les mouvements du monstre, donc à ce moment-là, c'est impossible de prévoir quand faire la roulade. Et là, c'est du hasard. Ça. Il y a Flo Flambi qui voulait savoir s'il y aurait des lives demain, enfin, ce soir. Certainement, il y en a quasi tous les jours. Sinon, le chat, si vous vous ennuyez de nos morts, vous pouvez faire un physique quantique, vous regardez le monstre et vous devinez son sexe. Le thème est où elle habite. Ouais. Oh, là ça va, je trouve. Waouh, eux ils sont méchants en fait. Ah, gueule. Pourquoi je vois ça? Voilà. Voilà. Le truc qui est cool avec l'épée de Ludwig, c'est qu'elle a une putain de puissance d'arrêt quoi. Parce que même sur le boss, je crois que ça, des fois ça marche. Et le fait que tu l'aies en niveau 10, en plus ça change beaucoup. Parce qu'il y a des armes, une fois que tu les passes en niveau 10, elles ont, il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Elle est vraiment cool. Mais c'est pas la Moonsword que t'as d'équipe. Non. La Moonsword, je l'ai pas... J'ai pas de quoi l'upper en fait. Ah. Il faudrait que je fasse tous les dons aux gens de Carles. Je sais pas si j'ai envie de faire tous les temps, j'en connais ici. Même si apparemment c'est le vrai un des vrais boss de fin en fait. Ouais. C'est ça, c'est le défi ultime pour ce DLC. Et c'est peu dire. Putain, j'ai oublié de me soigner. Oh, peut-être qu'il y en a un là. Ouais. Hop, je t'appelle. Mais puis t'es au même endroit où se situe un vagin, j'ai bon. Ouais. Bah techniquement, je pense qu'il a un vagin, vu que c'était une meuf. Connaissant le caractère du jeu, c'est aussi possible que ce soit un hermaphrodite. Oui, c'est vrai. Il aime bien ça. On massacre encore des handicapés et des difformes, tout à fait. Mais là, cette fois-ci, il massacre aussi un petit peu. Donc à la fin, tout le monde est heureux. Tellement dur. Si on joue tous les deux aussi bien que moi là, juste avant, je pense que c'est faisable. Ou la première fois. On va essayer. On fait mode mode. Mais en même temps, j'ai trop peur de la deuxième transformation, donc... C'est pour ça que je me dis, bon, déjà, je regalère à nouveau sur cette première transfo. Alors.
Attention, c'est parti. J'aime bien quand le jeu fait même pas le bruit des attaques. Ça fait juste... Non! Donc, autre astuce de jeu, hein, après la caméra folle, votre endurance, toujours la garder au maximum, comme dans Dark Souls, mais plus. Parce que dans Dark Souls, la roulade, en fait, c'est de la merde par rapport à celle de Bloodborne. Considérez que dans Dark Souls, il n'y a pas de chronomètre par rapport à Bloodborne. C'est un des trucs que j'aimais pas dans Dark Souls, la roulade. Il n'a pas apprécié que je lui défonce son petit cul, il m'a mis une rame. Je vois rien. Putain, c'est horrible. Là, cette attaque là elle est drôle, mais il l'a jamais fait, il l'a jamais réussi encore. Je vais essayer quand il s'étale par terre. C'est bien pratique pour le taper, mais bon, faut pas se faire toucher. Ouais. Là, il vient de le faire, mais il n'a pas touché. Oh fuck. Non, je suis tombé dedans. Allez hop. On s'en sort bien là, c'est cool. J'ai vraiment hâte de voir cette deuxième trousse. Oh shit. Ah, cette allonge. Qu'est-ce que c'est? C'est ça, fais attention, on rallonge et il va cracher de la lave. Ah. Une fois qu'il crache de la lave, il faut essayer de le prendre sur le côté. Et fais très attention à cette attaque parce qu'elle a une putain d'allonge. Ouais, je vois ça, mais il est sur moi. J'ai peur. Putain, il crache de la lave par le cul. Attention, il fait des pets de lave. Je crois qu'il va cracher la lave. Non, je suis dans la lave, putain. C'est dans quel... C'est dans quel Dark Souls qui a un boss qui crache de la lave? Ah oui, c'est l'araignée. Dark Souls 2. C'est le nom de l'araignée dans le 1. Lui aussi. Il a l'air handicapé. Waouh. Oh, il va cracher, je crois, non? Recule, recule, recule. Ah bon? D'accord, je crois qu'il y a trop de trucs. Oh fuck. Moi-même j'ai peur de l'attaquer parce que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais surtout que t'as pas beaucoup de vie en fait. Putain, cette allonge de salope. Il a 10 mètres d'allonge, ça. Il crache de la lave. Mais... Ouais, mais la lave elle spam sur lui en hauteur, c'est trop chaud. Vas-y, attaque, attaque, attaque. Non, non, non. Il m'a eu. Potion, time. Oh merde. Vite. C'est bon. Putain, j'avais pas vu ma propre santé. T'es mort? Non, ça va. Bon, on attend là, parce que sinon... C'est chiant. Là on est bien, mais bon, faut pas se relâcher. Je
peux... Fais gaffe, j'arrive, j'essaie de... C'est chaud, mais c'est chaud. Putain, il est sur moi. Il est sur moi, il m'a défoncé. Ah putain, il m'a tué. Ah putain. J'ai cru pouvoir m'échapper, mais j'ai pas réussi. Son truc, il est... le rythme, je l'avais pas. Oh putain. Il est chaud. C'est carrément faisable, mais il est chaud quand même. Ah ouais, c'est les derniers mètres qui sont les plus durs parce que tu te dis bon, faut pas que je me loupe, et le problème c'est que lui... Ah mais niveau rythme, il est chaud quoi. Il continue quoi. Bon. Moi je dis là, c'est bien parti en tout cas. Hop. Tac. Ta gueule toi. Hop. Par contre, ouais, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'en suis à 4 attaques. Faudrait que je regagne un peu de d'endurance en fait. C'est ça qui me manque. D'ailleurs, le live va durer jusqu'à quelle heure à peu près ? Je sais pas. Une fois que j'ai battu ce boss là, j'arrête. Hein. Ok. Si on arrive à battre le boss, oui, bien sûr. Vraiment le monstre. C'est pas mal. Je t'appelle, voilà. Et voilà. Je me suis endormi pour 5 minutes dans mon fauteuil. Attends, je t'entends pas. T'as dit quoi ? Vas-y, je me suis endormi 5 minutes dans mon fauteuil. Ah, il a fait une micro-sieste. Il a fait une castor. Quoique non, à la base, c'est une Jex. Tu le faisais aussi. Oui, pendant le Globe Horror le soir, ouais. Il y a longtemps. Putain, ça ne répond toujours pas. Ah si, ça y est. C'est bon. Là, je vais tenter d'utiliser l'épée de Ludwig et ma Moonlight Sword. On verra bien ce que ça va donner. Ok. Eh bien, c'est parti. Let's go. Celle-là, elle est horrible. Tu te la prends, elle fait tellement mal. Un des trucs qui me fait marrer par rapport à Dark Souls, c'est que dans Dark Souls, tu voudrais tellement... T'es mort ? Merci, la caméra de merde ! Putain. Ah ouais, cette putain de caméra a zoomé sur son... Mais jamais tu sa bite. Et du coup, je dis, oh, je peux plus rien là, et bon... Oh, tu veux me faire défoncer. Bah c'est tout seul, hein. J'ai tellement d'espoir. Oh, fuck. Je vais me faire prendre par son... No. Allez... tout seul, c'est tellement plus dur. Et j'ai tenté plusieurs fois tout seul. Ouais, le nombre de fois que j'ai failli le battre tout seul, puis au bout d'un moment j'ai dit non, j'arriverai pas tout seul, je vais appeler quelqu'un. Ah, c'est ça. Et on la défonce.
Ah, je pense que quand tu t'entraînes bien tout seul et qu'il n'y a pas t'es avec un pote, ça doit aller sacrément mieux quand même. Ah, bravo. Le nombre de fois que j'ai failli le battre tout seul, et... comme je dis, il lui restait quoi 5 HP et ça m'énervait quoi. Ah. En fait, c'est un des boss aussi où foncer dessus ne marche pas. Et rester entre ses jambes ne marche pas non plus. Ce qui est assez perturbant en fait, parce que c'est. C'est vraiment ce qui marche sur tous les boss de Dark. D'habitude, coller en fait les gros ennemis marche très bien. Mais... Ouais. Et là, t'as la caméra qui joue contre toi de toute manière, donc c'est un peu chaud. Ça, c'est qu'arrivé à un moment donné, j'essaie de le battre sans le lock parce que je trouvais que le lock était plus un désavantage qu'autre chose. Non, ça marche pas bien. Ah. Si vous aviez des doutes, je retire l'écouteur quelque part. Putain, ça fait tellement mal. Ça fait trop mal dans l'écouteur aussi. Hop, je le remets. Bon. Le compteur de mort a explosé ça. Mmh. Ah bah en même temps on s'appelait Pierre Boss, enfin, logique quoi. Ah oui parce qu'autant l'orphelin de Kos ça a été, on a bien géré. Par contre celui-là... Ah, même en bien gérant c'est chaud hein, parce que il... enfin... Encore une fois quoi, c'est une grosse affaire de rythme. Et avec la caméra ça n'aide pas parce que en fait l'orphelin de Kos il est pas très grand mais ça passe en fait. C'est ça, et en plus, on est dans une vallée, donc c'est dégagé et tout. Mais ouais. Là, on est dans une petite église et le boss est gigantesque. Donc, Là, d'ailleurs, Benzaï, il l'a fait le DLC ou pas? Je crois pas qu'il a fait le DLC. Mais il a pas pu, il a aidé un console parce qu'il a ragé. Sérieux? Ah, je sais pas, je dis ça, mais apparemment, ça a l'air d'être ça à chaque fois, les gens. Les viewers ils disent qu'il rage et qu'il est tiens, là, je suis face à un combat dantesque. Lui il a un hachoir. Et lui il a pas, il a une hache géante. Ça va faire une banque par les autres. Génial. Encore une fois, hein, Borne prouve bien que les ennemis de base peuvent vous tuer très facilement. Regardez, hop, ceux-là ils arrivent par derrière, comme des petites salopes, mais ils peuvent très bien arriver pendant un combat et le terminer. Ce qui arrive sans arrêt. Hop, je t'appelle. Voilà, il y a Pungao qui dit Benzaï rage à mort et est d'une mauvaise foi sans nom. Quand ce sont des jeux qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Ah d'accord. Ouais, Benzaï quoi. Bah je sais pas, moi, enfin, jamais trop vu. J'ai vu un de ses lives Bloodborne, ça semblait aller, mais je sais plus où il en était. Putain, attendez deux secondes, je retire mes écouteurs encore deux secondes. Ah, on peut dire du mal de Benzaï alors. Ça me fait trop mal à l'oreille. Ah c'est ça les pas de mauvaise qualité. Il a fait le jeu avec le True Last Boss, mais je sais plus si c'était un New Game Plus. Il y a du dossier sur Bentai, bah c'est pas du dossier, c'est live. Hop, c'est parti. Pourquoi Pognon TV As de Pique? Allez. Ça commence bien. Putain, la caméra qui part en tout boulot là. Je ne vois rien, je suis bloqué contre un pilier. Voilà, c'est bon.
que ça bosse. Oh fuck. FBI, fausse bonne idée. Ouais, d'accord. J'ai bugué, j'ai cru qu'il n'y avait plus de tête. Il y a toujours la même tête. Une sale tête, mais une tête. Ah ouais. Putain, je pense à Dark Souls et ses 10 potions. En fait, ce qui est drôle, c'est de savoir que dans Dark Souls, ça sera un boss normal en fait. Parce que ce genre, il me fait vachement penser à Astoria dans son... Mais pas Astoria... Non, non, non! Putain. Si, c'est Astoria... Comment il s'appelle? Artorias. Non, c'est Solaire d'Artorias, c'est ça? Je sais plus d'Astoria. J'arrête de regarder le chat. C'est stupide. Oh non, 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 il va me finir. Il va pas finir, putain. Je fais le maximum de PV quand même, au cas où. J'aime bien quand il fait des attaques qu'il fait jamais. Alors vous voyez, vous pouvez viser sa tête ou son corps en fait. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire. Ah, il t'a tué. Ouais. C'est parce que j'étais distrait par quelque chose. Parce que je venais de remarquer que je n'avais plus beaucoup de fioles de sang. Du coup, je me suis dit merde, merde. Et je me suis dit, bon, est-ce que j'utilise une fiole de sang là pour me régénérer? Et là, boum, il m'a eu. C'est chaud. Dans le perso et dans la vraie vie, parce que là, putain, le combat dure une plombe quoi. What? Il m'a chopé? Mais genre, il me chope jamais? Aïe, là, je vais te mettre barré, je pense. Ah, il rattaque pas tout de suite. Genre, il y a des fois, il troll en fait, en jouant sur le côté. Ouais. Un des trucs que j'aime bien dans Bloodborne et que je crois pas qu'il y avait dans Dark Souls, c'est le fait que quand ton énergie descend, si tu réattaques, ta vie remonte. Putain, mais j'aime pas comment il fait ça, putain. Faut que j'aille vers sa droite. Et c'est l'inverse de tout ce qu'il fait. Hein. Ah, ah. Oh merde, 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 merde. Voilà, putain. Allez. Non, putain, évidemment, c'est le moment où je me raffiner. Best moment ever. Non, mais non, mais non, mais là, je suis mort, là. Ouais. Allez, ça joue à tellement peu de choses, quoi. De qui vous parlez sur le chat? Je crois qu'il parle de Benzaï. Et ouais, il parle toujours de Benzaï. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait de pas bien?
somme un peu d'argent, tout ça. Exister selon certains, je pense. Ah, il y a toujours des rageux. Ah, des haineux. Ah, vous parlez d'un drop dans la mare? Pourquoi? Il y a eu quoi avec un drop dans la mare? Un drop dans la mare, c'est... C'est plusieurs personnes, je pense, non? Je sais pas. C'est plusieurs personnes. Oh, vache, qu'est-ce que tu prends, toi? Genre, les mecs, ils m'attaquent absolument jamais, et là, d'un coup, ils se mettent à m'attaquer. Hop. Et il se passe quoi du coup avec eux sur le plan? Ah non, voilà, parce qu'il y a ce petit, moi j'aime pas Benzaï sous prétexte de pas être d'accord avec un drop dans la mare. Ils lui ont fait plein la gueule sur la thématique. Je vais faire une vidéo d'attaque à peine voilée. Parce que un drop préférait les vieux jeux. Voilà. D'accord. Apparemment, il s'en est pris à un drop dans la mare. Ok. C'est cool, je préfère un drop dans la mare à Benzaï. Moi j'aime pas son personnage qui se fait dans sa vidéo. Ouais. Moi c'est simple, je déteste tout Benzaï, que ce soit ses lives, ses vidéos, son humour en général. Et j'aime bien un drop dans la mare parce qu'ils font franchement des bonnes vidéos. Bah, ils font beaucoup de recherches et je trouve. Enfin, ce que j'aime bien c'est qu'il y a un message et tout, mais c'est pas. Ils te donnent leur avis, évidemment. Mais ils te font voir le truc de manière plutôt objective aussi, quoi. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est des bons journalistes, en tout cas. Des Desperate Housewives du web, tout à fait. Moi, Benzaï, je l'ai vu une fois, il était sympa, on a bien discuté, on s'est bien marré. Et voilà. Après, ces vidéos, je suis pas fan, mais je trouve qu'il fait pas partie des gens qui ne devraient pas avoir de succès, entre guillemets, donc ça va. Parce qu'il y a des types de vidéos qui sont... J'ai sonné, en fait. Oui, je m'en étais aperçu, c'est pour ça que... Ouais. Moi, j'estime que Squeezie devrait pas avoir autant de vues. Voilà, c'est ce genre de truc-là. Hop. Bah, un drop dans la mare, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est le genre de vidéo qui servent à quelque chose, quoi. Benza écrit qu'il y a un drop dans la mare parce qu'il véhicule une fausse image de l'industrie du jeu vidéo, et actuelle et ancienne. Tout ce qu'il dit, c'est le jeu vidéo c'était mieux avant, et pour vous prouver, on va dire qu'il y a c'est nul, les JVC sont dévendus, ils font pas de parallèle. Ouais, je trouve pas qu'il donne cette vision-là. Enfin, je trouve que c'est simplifié un peu ce que fait un drop dans la mare, en fait. Pourquoi je déteste Squeezie? Parce que je supporte pas sa manière de faire, il m'énerve. C'est physique, je veux dire. En fait, le gros problème de tout ça, c'est que c'est que du let's play, quoi, et ça fait... Le gros problème, c'est YouTube, c'est pas Squeezie. C'est que sur YouTube, ça fasse une chier de vues, les let's play comme ça. C'est pareil pour Fanta et Bob, c'est pareil pour tous les let's play comme ça, quoi. Je veux dire, si je faisais pas de live, par exemple, et que je prenais la peine de faire des let's play, mais que j'en faisais un peu, que je découpais mes lives par exemple en morceaux de 20 minutes, etc., bah, mon nombre de vues il augmenterait un max. Hein. Je le fais pas tout simplement parce que je m'en fous et c'est pas ça qui m'intéresse et que ça demande malgré tout un travail, attention, hein, de couper ces vidéos et de les poster sur YouTube et de faire l'illustration de la vidéo et tout à chaque fois. Je peux vous assurer que c'est un vrai boulot et que ça prend un chier de temps. Rien que le temps que ça m'a pris pour les. Putain de chronique Necronomicon, mais surtout que eux ils font énormément de travail de référencement, etc., sur leurs vidéos avec les mots-clés, les trucs, etc. Chose que je fais absolument pas. Je devrais. Mais c'est vrai que c'est chiant de voir que ça c'est beaucoup plus récompensé sur YouTube que la création pure, en fait. Mais c'est le système YouTube, ça, le problème. C'est pas Squeezie, c'est pas Bob Lennon, c'est pas... Eux, ils profitent d'un système qui marche, je veux dire, merde, tant mieux, quoi. Ça me donne. Puis bon, on va pas dire que sortir 3 vidéos par jour, c'est pas du boulot, quoi.
même si c'est que un, que je dis bien, un let's play, ça reste énormément dur. Putain, il t'a gang-bang dans un coin là, c'est ouf. Il a survécu, c'est déjà pas mal. Micro qui se barre. Alors moi si j'aime pas Squeeze, c'est vraiment juste la... Enfin c'est ça. C'est, ouais, c'est la personnalité. Ouais. Ouais, voilà. Mais ça j'ai envie de dire, chacun son avis. J'irai pas à côté, moi par exemple Norman Cyprien, je regarde pas, mais j'ai rien contre eux, je veux dire ils sont normaux, ils sont pas leur tête de con sur les vidéos ou quoi. Ouais, c'est... non, puis Norman et Cyprien c'est de la création, même si c'est du sketch un petit peu facile. Voilà, au moins ils le font, et j'ai envie de dire, bah, si c'était vraiment facile, tout le monde le ferait quoi. Ok, d'accord, il va faire sa transformation. Okay. T'es vivant? Ouais, putain. T'as encore combien de potions? 16. 22. Ça va, on est bien sortis. On peut y arriver, on y croit. Allez, crash ta vie, ma gueule. Merde, j'ai raté une... Non! Recule, le pet flamme. J'avais jamais vu en fait son pet flamme encore. Ah, c'était beau! Ah merde, on a raté une. Une belle occasion. Je suis juste derrière. J'ai peur pour toi. Ok, waouh! Je m'en suis tiré de justesse, mais bon, j'ai chaud. Il se roule dans sa fange, gros dégueulasse. Allez, vomis-moi la gueule, enculé. Et dis-moi que tu m'aimes! Ah non, je suis tombé dans la lave. Ah non, c'est le pet de lave. Ah, c'est une potion. C'est vraiment un pet de lave en plus. Il fait un tantrum là, c'est un putain de gamin en fait qui fait sa crise. Maman, elle a dit que je pouvais avoir des bonbons. Ah. Maman a dit que je peux. Ah ouais. En fait, quand il fait ça, il arrive vraiment tout près. Putain, on est trop près de lui pour qu'il lance son attaque de lave, je crois. C'est le problème en fait, c'est que quand on arrive trop près de lui, en fait, il balance son. Son père. Il balance. C'est bon. Vas-y. T'as plus ou pas? Je crois pas. Putain. Si, j'y suis arrivé, mais. T'es vivant? Bien, wesh. Ouais, j'ai réussi à faire une attaque. Ouais, c'est bon. Lave. Non, c'est bon. Je vais pas risquer, c'est trop près. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est arrêté? Ah, d'accord, il est venu dans sa propre lave, il a pas aimé. Ça lui fait pas de dégâts, mais il a pas l'air d'aimer. Bien, ça, lui fait pas de ça lui fait pas de dégâts, j'ai l'impression. Non, mais j'ai l'impression que ça le ralentit en fait le feu. Peut-être que je me trompe. Oh putain, non, on va pas se faire gangbang là. Hein. Moi je me fais pas gangbang, c'est hors de question. Il peut se gratter. Ouais, vas-y. Allez. Ah non, c'est bon. Oh fuck! Oh my god. Allez, fais un truc. Ouais, c'est bon. Non, putain, Maxime, pourquoi tu fais ça? Vite, prends ta fille, putain. Voilà. Oh boy. Je lui ai fait deux putains d'attaques majeures dans son bras. Je suis trop content, mais j'ai vraiment fait crever. Putain, il t'a eu? Une fois, non? Non, il m'a pas eu. Il est tellement classe ce boss en fait. Il représente tout ce que j'aime bien dans un boss. En fait je l'aime bien, finalement. Oh non, je l'aime pas. Il va me gangbang. Putain, ça c'est horrible cette. J'ai réussi à faire une attaque. Putain mec, je vais mourir. T'es mal barré. Ouh, t'as réussi à survivre. Pour l'instant. Oh, fuck, il recommence. Là, c'est une fausse. Grosse attaque, voilà.
Allez, crache tes flammes, bordel. C'est parti. Non, putain. Je suis fatigué, en fait. C'est plus que... Ça va. D'ailleurs, je commence à en avoir marre aussi. Merde. Putain, j'aurais pu, là. C'est bon. Non, 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 non. En une attaque, il est mort. C'est bon. Ah merde, je suis dans la lave. Je suis dans la lave. Je l'ai eu, ouais. C'est bon. Putain, bien, wesh. Ouais, putain. Ah. Oh, bon. Oh, ça y est. Oh boy. Étreinte du monstre. J'ai envie de dire. D'ailleurs, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a sur le chat qui ont regardé le live là sur Cthulhu avec, où il y avait Bob Lennon dedans, pour savoir s'il a gâché le live parce que... J'étais là, j'ai regardé une partie. Et oui. Et ça, il a gâché. C'était assez insupportable. Et bien, merci beaucoup, Illuminato. Pour le boss de fin, tu peux venir ou pas, toi? Non, tu peux pas. Je crois que je peux venir quand même. D'accord. Bon. Tu vas le faire maintenant, le boss? Ouais, limite, si on peut essayer, on va en faire une try. On va essayer, il est moins dur. Non, parce que j'avais... Je dis beau qu'il est chiant dans l'aventure, le style, dans un jeu à ambiance comme Cthulhu. Ouais, mais non, c'était pas un jeu à ambiance, mec. Franchement, c'était aventure dans Cthulhu, hein. c'était pas Cthulhu. En gros, tous les lancers de dés étaient révélés. Après ça. Sauf que, bah, du coup, en fait, par exemple, c'est genre, retire-toi un point de santé mentale. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est juste nul de faire ça, en fait. Tu casses le jeu en faisant ça, en fait. Parce que le problème de l'intérêt de Cthulhu, c'est la tension. Si tu révèles les dés, les lancers de dés, les trucs comme ça, il n'y a plus de tension parce que tu sais ce que t'as réussi ou pas. Et ça gâche vraiment quelque chose. Après, attends, je t'appelle. Hein. Voilà. Après, l'autre souci, c'est que... plutôt que de faire des descriptions, il met putain de Roll20. Sauf que Roll20, c'est pas une description, c'est une espèce de vue dégueulasse de RPG à l'ancienne, moche, quoi. Donc, ah oui, même feature de dessus. Voilà. Et c'est très très bon. Pour ce boss-là, prends des granulés de sang, ça marche bien. Des granulés de sang. Normalement, tu en as, mais je t'ai pas vu en utiliser. Donc ouais, je vais regarder aussi si j'en ai. Ouais, ça fait quoi, en fait? Plus en fait tu mets de coups, plus tu enchaînes les coups, plus ça va augmenter ta force. D'accord. Et pour lui c'est obligatoire. Alors, Jokski, c'est tout à fait ça. Hein. Ça c'est relou. De côté, genre je fais une blague de merde et je rigole très fort après. Et du coup, apparemment ça marche sur certaines personnes, mais moi ça m'énerve juste. Bon, c'est parti. Let's go. Et y'a pas une Kaji qui t'ont copié, stuff. Y'a quoi? Y'a personne qui a dit, oh, vous avez copié Maxime avec les chroniques. Gun sur Cthulhu. Ça va. Alors toi, pour toi, tu copies, mais non. Je ne comprends pas ce boss. Il faut que. En fait, dans ma tête, on se battait contre le même boss qu'avant. Ça va pas. Je suis pas dedans. Il t'aime bien. Vu qu'il a une gueule de nouveau-né comme emporté, ouais. Ah, il laisse pas trop de répit en fait, celui-là. Ah, c'est ça une transformation ou c'est quoi? Bonne question, il fait quoi là? Oh, je crois que je vais m'éloigner. Fais gaffe parce qu'il y a une attaque qui t'empêchera d'utiliser tes fumes de sang, d'autres qui te ramènera ton énergie à quasiment plus rien. Il a. C'est quoi le truc? C'est quoi ces sphères de merde? Ouais, vaut mieux les éviter. Je crois que c'est un fiche-folie. D'accord, ça doit être génial. J'ai tellement hâte d'avoir folie. Qu'est-ce que c'est ça? Putain, il y a des trucs par terre, mec, fais gaffe. J'avais bien raison, son. Comment? L'espèce de flash qu'il fait, c'est pour mettre l'énergie à. Imagine comme c'est bien d'ailleurs quand il combine ça avec le fait de ne plus pouvoir utiliser tes fioles. Moi, il me l'a fait, mais j'ai ça survécu. Fait quoi, en fait?
ça tu fait folie plus. Et... Bah tu sais plus, en fait quand il peut baisser ton énergie et comment t'empêcher d'utiliser tes fioles. Et là bah il faut attendre que ça s'arrête. Laisse-moi tranquille s'il te plaît. C'est un vrai troulasse boss quoi. C'est ça, mais... Wow. C'était quoi ça? C'est son attaque pour faire baisser l'énergie. D'accord. Ça n'a pas marché, c'est normal. Sur moi ça a marché. D'accord. Peut-être que c'est moi qui visais. Là, il va le refaire là. Merde non, il fait son truc de folie. Faut que je me barre d'ici. Je change maintenant. Ça va? Mec, t'es en plein dedans. Bon, ça va, à l'aise. Là, ça t'a fait mal, toi? Oh merde, j'ai pu utiliser mes fioles de soins. Oh boy, j'ai plus de vie. Oh boy, il touche une fois, c'est fini. Attends, reste là, je l'aggro. Tu sais plus jamais? Ou ça va revenir? Si, si, ça va revenir, mais il faut... Là, je spam, si tu veux, je me cache et je spam. Allez, allez. Reste près de lui. Oui, essaye de prendre l'aggro. Aïe. Là, on se débrouille bien. Ça va ou pas? Ça y est, je peux réutiliser. D'accord. Il a refait une attaque de folie. Ah, mais c'est toi en fait qui te prend tous ces trucs, non? Oui, il m'aime bien. Je crois que c'est moi qui déteste en fait. C'est ton boss. Bam, c'est bon. Il y a pas de transformation. Il est mort. Non, non, c'est bon. Okay. Voilà. Dernier cri du jeu. J'ai terminé le jeu. Voilà. Cauchemar éliminé. Alléluia, ça y est. Plus 230 000 âmes. 230 000. Bon, bah, vidéo de fin. Du coup, je me demande c'est quoi la fin. Moi, j'ai gagné 15 000 âmes. Beaucoup de gens disent que la fin est décevante. Je me demande pourquoi. Bah, tu vas voir. Are you cold? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une petite limace Cthulhu. Ah, c'est une vraie dole. Vraiment chelou les dolls. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est moi? C'est ça. Quoi? Genre, je suis devenu une larve stellaire en fait. C'est ça, tu es devenu un enfant d'ancien en fait. Tu sais, les grosses bestioles qui ressemblaient à des Cthulhu. Ah. C'est assez nébuleux hein, de toute façon le scénario de Bloodborne. Comme... Ouais. Comme tout. Ah, j'ai... c'est trop bien ce scénario quand même. C'était bizarre. Bon. Bah, du coup, New Game Plus. C'était bizarre, c'était cool, mais c'était bizarre. Comme... En fait, je comprends que des gens soient déçus par la fin parce qu'elle fait 2 secondes et genre, ça, genre, what? Maxime était devenu un bébé Cthulhu, tout à fait. C'était aussi bien que ça maintenant. Moi j'ai fini KOTOR 1. Ça y est, tu l'as fini? Ouais, je l'ai fini entre les deux lives en fait. Ah, c'est cool. Good. Là je vais attaquer le 2. Bon bah là c'est le début. Et je reviens du coup avec 230 000 âmes. Et voilà, et le chat se fout complètement qu'on vient de finir le jeu. Ah mais ça c'est classique. Putain, bah du coup je vais me faire tuer par le premier ennemi qui vient, ça va être drôle. Ah, peut-être pas, hein, parce que t'as l'air récupéré. C'est vrai que normalement j'ai récupéré. Là. Ah, il donne 2000 âmes quoi! Genre, ce qui est bien en New Game Plus, c'est que t'as chié d'âmes. Allez, je vais directement au premier feu. Comme ça, je vais investir mes âmes et puis ça sera la fin du live. Hop. Et je pourrai aller dormir. Tout le monde pourra aller dormir. Moi et tout. Ouais, je vais travailler. Hop. Et donc voici. Oh! Ah oui, d'accord, ils font vraiment beaucoup plus mal. Je pense même pas qu'il m'ait fait. Ah, il rééquilibre le truc. Ouais, je pense pas qu'il m'ait fait. Qu'il m'aurait fait de dégâts quasiment. Hop, on monte en haut et c'est bon.
Et du coup, là, normalement, t'es censé mourir. C'est-à-dire? Là, je veux dire, pour le scénario, là, si tu meurs au moins une fois au début du jeu. Oui, mais t'es pas obligé, en fait. C'est pas spécialement pour le scénario, c'est pour récupérer les premières armes, parce qu'au début, bah, t'es à poil, quoi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Et du coup, se combattre au point, c'est compliqué. Je suis sûr que c'est faisable. Oui. C'est juste extrêmement long, puisque tu fais genre 2 dégâts sur un monstre qui a genre 2000 de vie. Hop. Ah, mais attendez, la meuf elle se réveille pas tout de suite, la poupée? Non, je me souviens plus comment on l'a. On m'a dit c'est quand t'as ton premier point de je ne sais plus quoi. Oui, mais je l'ai. Enfin, j'ai 17. Puis je peux même acheter des objets, quoi. Genre, je peux racheter les mêmes trucs que j'ai. Attends, ça va être là, ça va être bon. Hein. Putain, je vais me réinvoquer. Hop, essaye de revenir, normalement, ça devrait aller. Essaye de claquer un point de lucidité. Enfin, de un savoir de, du démon. Normalement, elle apparaît quand tu obtiens ton premier point dans le jeu pur. De revenir au début, claquer un premier point de lucidité et regarde si elle apparaît. Ceci, non, bah, je vais simplement quitter, mais bon, ça aurait été cool d'investir toute ma thune dans des trucs. Hop. Lucidité, où es-tu? Tu es là, utilisé. Ouais, c'était laborieux, hein, tout le soleil, enfin niveau combat. Ah bah ouais, bah en même temps, ça fait 3 boss. Hein. Et pas les plus simples. En effet, pas du tout les plus simples. Plus l'homme requin, qui reste plus dur que tous les autres. Et vous l'avez pas fait du tout. Ouais, on l'a pas battu. Hein. Non, on a fini par abandonner. Ça doit être pire en niveau game plus. Oui. Du coup, je vais investir tout dans... Ah, ma manette c'est l'écho, voilà. Tiens, c'était endurance que je voulais augmenter. Hop. Ah. Est-ce qu'on peut la tuer, elle? Ça fait quoi? Tu peux la frapper, mais ça ne changera rien. Bon, de toute façon, je vais pas essayer. Bon, hop. Et bien, quitter la partie. Et c'est bon pour Bloodborne. C'était vraiment cool. Franchement, un bon jeu. J'ai vraiment bien aimé. Et je vais mettre un like. Voilà. Et je vais lui mettre une note de 5 étoiles. En live, s'il vous plaît. Comme quoi, c'était vraiment bien. Et hey, tu pourras rajouter que le scénario est super. Ouais. Bah c'est vrai que ça, je comprends que les gens soient déçus par la fin, franchement. C'est genre tu deviens une espèce de limace de l'infini, tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas comment, et... Ouais. Autant la fin de Dark Souls était plus ouverte aux interprétations. Peut-être un nouveau DLC apportera des trucs. Non, il y aura pas d'autres DLC, je crois pas. Non, il y aura pas de DLC parce qu'ils avaient déjà dit que normalement... The Old Hunter était censé être 2 DLC différents, mais finalement ils ont tout groupé en une seule extension. Ah, ok. Et bah, du coup, prochain Globi Epic, ça sera. Comment ça s'appelle? Demon's Souls. La prochaine fois. Et du coup, en attendant, et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à toi, Evil Minato, de m'avoir aidé pendant tout ce live et d'être mort plein de fois. Aucun problème, c'était un plaisir, je me suis bien amusé. Et au plaisir d'une prochaine fois. Et puis sur Dark Souls 3, très certainement. Tu prendras sur PC ou PS4? Sur PS4 normalement. D'accord, bah, moi je verrai, parce que c'est vrai qu'en vrai, le problème sur PC c'est qu'à mon avis ça sera un mauvais portage, il va falloir attendre, blablabla. Alors autant l'avoir sur PS4 quoi. C'est ça. En tout cas je serai là donc. Très bien. J'achète toujours des watts donc. Et bah du coup, très cool. Du coup, merci à toi Jax. De rien. Et puis bah, du coup je vais couper ce cher TS. Bonne nuit à vous deux. Ouais bah bonne nuit à toi et au chat aussi. Merci, bonne nuit à tout le monde, au chat et tout ça. Très bien, à bientôt. Hop. Et du coup pour vous, eh bien bientôt
à bientôt aussi. Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui ont fait des dons, bien évidemment. À ceux qui ont subscribe et qui ont participé au concours, etc. N'hésitez pas à participer au pointage. On se retrouve normalement ce soir pour un autre live sur Uncharted que je terminerai peut-être direct dans ce deuxième live puisque j'ai fait 50% du jeu en 3 heures. Donc c'est possible que je fasse 50% restant en 3 heures. On verra. Du coup, faites de beaux rêves et à bientôt. Bisous, bisous. Et bisous partout. Putain, c'est la dernière fois qu'on entend le générique, c'est triste. Bienvenue, viewers, dans Moonborn. Vous allez suivre les aventures de Pete, le chasseur ultime. Apprêtez-vous à voir des chutes dans des escaliers, et des morts stupides et du style en carton. Apprêtez-vous tout simplement à voir un globi épique. C'était cool ces globi épiques Bloodborne, j'ai hâte de faire les globi épiques Dark Souls 3, puis bon, en attendant Demon's Souls, même si je sais pas la difficulté, je pense que c'est plus dur et en même temps plus facile, je sais pas. On verra. Puis en même temps, j'ai quand même 3 jeux Souls derrière, donc ça devrait aller. On verra ça. À bientôt, et bisous bisous.